3, 2, 1, let's go. Let's go alors. Messieurs, dames. 3, 2, 1, let's go. Let's go. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Merci Shud pour le troisième mois Twitch Prime. What the fuck, les aventuriers vendredi? Ah, je vois qu'il y en a qui n'ont pas suivi les aventuriers de mercredi dernier. Vous avez pas suivi l'actualité. Merci Alkazim pour le raid. Tac, ça s'est tweeté instantanément. Peut-être mettre de la musique là? Tu as changé de stuff? Non. T'as changé de stuff? Non, non, non. Fais voir. T'as rien changé. Faut que je regarde, t'es où? J'ai juste un casque en... Ah ouais, t'as changé de stuff? Mais t'as changé non. De stuff, Edo, ou pas? Non. Ah ok, pardon. Non. Mais c'est bon, j'ai compris, hein. Non. Très bien. Ah, toi aussi, t'as la lévitation sur l'épée? Non, c'est ça. Ah oui, oui, je le savais. C'est la fleur. Edo, t'as changé de stuff? C'est sympa. même la fairy elle rigole. Merci à Thriller pour le 5ème mois niveau 2. Je sais pas encore c'est quoi le programme. D'ailleurs l'effet quand elles sont assises, vous pouvez faire clic droit pour récupérer un pixie dust. Oh, c'est utile le pixie dust? Non. Nice, merci pour cette astuce des plus utiles. Alors, tu peux faire de la nourriture avec. Ah oui, on peut faire de l'ambrosia. Attends, touche pas à ça pour voir un truc. Oh. Quand j'ouvre le, quand je fais clic droit sur le cookie jar, ça ouvre la trappe. T'as envoyé un signal de redstone? Bah ça doit, ouais. Non, moi ça fait rien, moi. Vas-y, regarde, là je ferme, okay. Je touche à rien. Vas-y, prends le cooking jar, enfin ouvre-le. Vas-y. Ouvre-le. Vas-y. Do it. Ouvre le truc de cookie. Non mais il faut pas... Ah oui, oui. Là je l'ouvre. Voilà. À chaque fois tu remettais la trappe d'or dans ouvert, donc forcément tu pouvais pas l'ouvrir, c'était déjà ouvert. Ah, je... Ouais, ça marche, hein, ça la réouvre. Je le savais, hein. Ouais, donc ça marche, tu vois, ça envoie un signal, comme je l'avais dit. Alors, ça sert à quoi de mettre ça, si on peut passer au-dessus? Oh, ça va, hein, c'est pour le style, hein. Ah. ML. I am the knight. Me too. I'm the knight. I'm the man. Coucou tout le monde, coucou à ceux qui arrivent, bienvenue. Aujourd'hui, tout devrait rouler, hein. Ah oui, du coup, Edo à la webcam ce soir. Oui. Oh. Incroyable. La webcam. Edo. Ouais. Tu pourras me chanter. Sancho de Cuba. À la guitare, je connais pas. Non, juste le chanter. Oh, tu peux le faire à la guitare aussi. Merci Valentin. Mais pour le sub, bienvenue. J'en ai besoin parce que. Merci beaucoup Valentin, c'est pour gentil. L'intro de Sancho de Cuba. Je suis Sancho de Cuba, moi je danse pour la rumba. Je démarre à casse, je fais chic 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 et boum, chic chic et boum. Parfait, merci. Ça suffira. Yes, Vindict sera content. Vindict 7. Non, c'est 7. Le 4 toujours. C'est le 4? Ouais. Oh, ce sera peut-être temps peut-être de le virer, ouais, c'est vrai. Qui sait? Qui sait? Je sais. Nous savons. Nous le savions. Alors, qui fait l'intro? Et d'où vient de la faire, non? Bonsoir, c'est l'épisode non, c'est pour nouveau. Pour l'épisode d'avant encore. Ah. Ah, en fait, bien bonsoir, c'est l'épisode d'après. C'était l'épisode d'avant, non? Celui-là, c'est l'épisode d'après, celui d'avant. Mais celui d'avant, on l'a fait? Effectivement. On l'a, je crois, il me semble, on l'a fait. Tu vois, il sort. Celui d'avant, on le fait pas après? Non, c'est celui d'après qu'on fait avant. Ah, normalement. Il sort quand celui-là? Mercredi? Est-ce que c'est une mercredi ou c'est samedi prochain? Logiquement, c'est une mercredi. On a de la marge, mais pas non plus une énorme marge. Je sais plus. Dans tous les cas,
marche. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode des Aventuriers, la série où on sait pas à l'aventure. L'intro. Des fois. Et la plupart des fois, on reste à la maison. Voilà, la plupart du temps, on fait des conneries à la maison. Bah là, il va falloir qu'on reste à la maison pendant 14 jours, les amis. Hein. Ah oui, c'est vrai. Oh. Ah oui, oui. Alors, par contre, ne prononcez pas. Vindicte 4, je t'invite à censurer toute mention d'une certaine chose. Mais qui commence par Koro, pourquoi ? Non ! Ah, on n'a rien entendu, on a juste entendu un bip. Là. Voilà, moi je ne le citerai pas parce que je sais que c'est très chiant pour YouTube. Donc... Ah, on n'a pas le droit de le citer sur YouTube. Ah, non, là, on si va tu dire le sur YouTube, YouTube il te fouette. On va l'appeler le malware humain, voilà. Un malware humain. D'accord. Bref. Du coup, prenez vos paquets de pâtes, vos boîtes de conserve et votre PQ et commençons l'épisode. Voilà. Essayez de nettoyer tout ça avec du produit qui ne soit pas trop corrosif. Oh. Terminé. Oh, bip, zif. Je sens que je vais amener tellement de bip à cette vidéo. Oh là là, tout le monde va te détester. Non, les gens veulent se changer d'idée. À partir de maintenant, nous en parlons plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'heure du speedrun. Ah oui, c'est vrai, le speedrun. Ah ouais, aujourd'hui, on va chacun prendre un donjon aléatoirement. On vérifie pas avant comment ils sont. Des donjons, là, des trucs qui descendent en colimaçon et puis il y a plein de trucs en dessous. Et puis, celui qui le clear le plus vite, celui qui le finit le plus vite, gagne 50 points internet. Merci. Ah, ce sera pas moi, vous êtes bien mieux stuffé que moi. Mais t'es bien stuffé aussi. Ça veut pas toujours dire tout et tu... Ça va, t'es plutôt bien stuffé. Ça veut pas tout dire. T'es suffisamment stuffé pour passer à travers les mobs, en tout cas. J'ai une question. Mon dragon a disparu. Voilà, ce n'est pas une question, mais... Ah, c'est vrai qu'il était sur la maison. Bah ouais, il y est plus, là. Ça, c'est bizarre. Il est pas dans la flûte. Ah, ah, ça, c'est un problème. Bah ouais, il a disparu. Y a pas un corps Ouais, il devrait avoir un corps s'il était mort, donc s'il a juste disparu, il a juste disparu, mais... Question pour le chat, quand votre dragon meurt, il laisse un corps? Ou est-ce qu'il disparaît comme... En toute logique, il devrait laisser un corps, selon moi. Pour les autres, comme les autres dragons, ouais. C'est étrange. Au passage, j'ai été nerfé, hein, vu que mon épée, techniquement avec l'enchantement, fait un petit peu moins de dégâts, mais bon. Je suis dans les nuages. Ça c'est un problème. Ben, t'es motivé et tout, et j'arrive et j'ai plus de dragon. Il y en a d'autres, mais... Oui, mais c'est pas son dragon. C'était le premier, quoi. Bah ouais, c'est mon dragon. Ah, quoi. Le corps peut dispawn. Apparemment, le corps peut dispawn. Ah. Mais... Ah bah, donc super. En vrai, il vaut mieux les garder toujours dans la flûte. Ouais, quoi. Mais dans tous les cas, c'est pas logique. Il avait beaucoup de points de vie, quand même. Bah, c'est pas qu'il est mort, c'est plus qu'il... Il a dispawn, genre il disparition. Bah, quoique non, aucun des dragons dispawn, donc... Bah non. Ils sont pas capables de dispawn, tu vois. Ça se trouve, il est parti faire une balade, faut juste qu'on le retrouve. Bah non, ouais. Il était assis. Je sais pas. Il était assis. Ça, c'est terrible. Ah bah, alors ça, c'est... Bon. Ça, c'est la meilleure, ça. C'est vrai, on voit rien, quoi. Donc... On a toujours les deux. Non, bah je me suis fait carjacker mon dragon. Carjacker. Bon. Oh. Ça c'est triste. Bah plutôt. C'est triste, non, mais... j'ai besoin de consolation. T'inquiète, Edo, je suis sûr qu'il s'est juste mis en quarantaine avec beaucoup de PQ et des boîtes de concert. Ah oui, bah là. Le souci c'est qu'il a besoin de 3 arbres de la jungle pour s'essuyer quoi. Aïe. Ah c'est vrai. C'est pas plutôt 3 forêts? 3 forêts, ouais. Merci pour ton 6ème mois d'abonnement Twitch Prime. Bon bah moins un dragon du coup. Toujours un plaisir de te suivre. Dis bonjour à Edo et Yuri de ma part. La flûte, ouais, tu crois que ça peut marcher? Maxou vous dit bonjour. Il y a peut-être moyen de l'appeler à distance et qu'il revienne, je sais pas. Moi si je serais le créateur d'Ice and Fire, je ferais toujours une condition qui fait que tous les dragons qui sont associés à toi sont stockés quelque part et tu peux toujours les appeler. Bah là ça ne fait rien. Tu fais de la bonne musique. Mais ouais, je comprends pas pourquoi ça a disparu comme ça. Ouais. Alors là. Voilà.
Bon. Merci Mindarkraft pour ton deuxième mois d'abonnement. Salut tout le monde, salut à toi. Et du coup, je disais, il y a Maxou qui vous dit bonjour, hein, à vous deux. Maxou, bonjour. Maxou. Il y a un creeper chez toi. Ah bon ? Il y avait un creeper chez toi. Ouais, notre fabrique de pommes d'amour, là. C'est-à-dire que si Edo répète les performances olympiques, le gain de ce concours ne semble pas lui être acquis. Bah ça, c'est clair, ouais. Ah ! Au niveau de la ferme à mob, les pommes. Ça, c'est clair. Essayer de faire mieux que les olympiques, hein, si je veux remporter ce speedrun, parce que sinon... C'est pas les mobs le problème, c'est l'orientation. Mon pire ennemi est moi-même depuis le début. Bah n'a plus les pommes d'amour. Mais sinon avec la cuisine on peut pas faire quelque chose. Si tu veux regarder, hein. Vas-y. Je vais nous en faire un peu des pommes d'amour là parce que... Je vais regarder voir comment ça marche. Quand même beaucoup de choses là. Tu les entends ? On peut faire de rentablement bon. Voilà. Nous avons quelques pommes d'amour si vous voulez, monsieur Edo. Yeo. Merci. Et suis ça un chat des combats. Butter. Si on fait un shift clic droit avec la commande staff, on peut lui set une position où il reviendra à cette position. Pour le dragon. C'est vrai ça, moi je l'avais fait avec le mien. Si le dragon d'Edo avait un nom c'est bon. Et qu'il est chargé, vous pouvez peut-être faire un TP @e name, ouais. Oh. Mais savoir s'il est chargé. En théorie, s'il est chargé, il est censé répondre au staff. Oui, c'est ça en fait. C'est un bordel la cuisine. Oui, et puis s'il était chargé, on le verrait. Il fait 3 km de large. En vrai. Oui, oh. Moi, ce que je suis surtout curieux, est-ce qu'il y a un fichier quelque part qui où les infos du dragon sont sauvegardées, tu vois ? Probablement, mais alors. Je un sais fichier pas. De config ou autre chose, tu vois ? Ou on pourrait juste aller dans le fichier de config et. Pour le coup, je ne sais pas. Tu copies la position d'un des dragons existants et tu la mets à celui-là, et comme ça, basiquement, tu reviens sur le savoir, il sera à la position de l'autre dragon, quoi. Allons voir d'ailleurs, est-ce que les autres dragons sont toujours là ? Les autres dragons sont toujours là. Les autres dragons sont toujours là, ouais. Ils n'ont pas bougé. Ils sont plus petits, c'est peut-être pour ça. Ils ont dû grandir un petit peu depuis. Mais de toute façon, le serveur, tu l'avais coupé quand on avait coupé la dernière fois. Oui, je coupe toujours le serveur. Ouais, voilà, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait un problème avec le dragon. C'est peut-être en coupant le serveur, tu vois. Oh, et en rallumant le serveur. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Bon, faudra regarder dans la config. En attendant, speedrun. Oui. T'as plus d'armure, ouais. Non, c'est visuel. T'inquiète. T'as un kékette d'ombre, pas, j'ai l'habitude. Eh B. Alors, du coup, au niveau. Oh, il faut que j'enlève cette grille là. Au niveau des donjons. On en avait noté quelques-uns, je crois. Il y en a un. J'en ai repéré plusieurs. Il y en a un dans le marais, pas trop loin. Et j'en ai marqué d'autres. J'ai un donjon à 4493 blocs. Il y en a des plus proches. Je vais aller à celui à 4493 blocs. Parce que je veux aller. Il y en a des plus proches. Je veux aller très loin comme ça, je suis sûr que personne va prendre le mien. Ok. J'y vais, je m'en vais. Ah, j'arrive pas à voler. C'est bon. Je suis parti. Il est parti. Ah, il y a celui que t'avais trouvé hyper loin, non ? Ouais, bon là, de toute façon, il était à 4000 blocs, il me reste un peu moins de 2000 à parcourir, ça va. Oh, t'as vu à quelle vitesse on peut se déplacer, d'ailleurs, avec le nouvel enchantement sous le... Ah oui, oh, oui, j'ai vu ça. Bon, c'est un bug, clairement. Oui, ça va être fixé, mais c'est assez stupide.
Voilà, je suis dans mon donjon. Faut qu'on ait des torches. Du coup, il va falloir attendre que les copains aient leur position dans leur donjon. Il faut un donjon pour Edor. Yes. Mais je me souviens plus où il y en avait un autre, un troisième. Et ben voilà. Je sais où il y en a un, mais je sais pas où est l'autre. Je veux pas m'asseoir sur l'escalier. J'en avais repéré, mais juste en mode, oh, il y en a un là. Il n'y avait pas un près du spawn, s'il me semble. Allez voir, vite fait. Il fait jour. Bon, il n'y a plus qu'à attendre, gentiment. 20 secondes pour faire 4500 blocs. Ouais, moi je suis déjà arrivé, moi. What? Ah, tu t'es propulsé à pleine vitesse. Eh oui, à pleine vitesse. Le serveur n'a même pas chargé de chunk, t'es déjà là-bas. En fait, faut trouver un donjon là, c'est ça le plan ? Oui. D'accord. Sans monture, du coup. T'inquiète. Yes. Je crois me souvenir qu'il avait un près du spawn. Donc, le but est de le finir le plus rapidement possible. Et vous entendez finir, être au dernier étage et. Finir pour moi, ce serait à peu près plus ou moins éclairer tous les couloirs. Donc, pour prouver que t'es passé à peu près dans tous les couloirs. Ouais. De tous les étages. Merci Tech YouTube. Et voilà, pour ton quatrième abonnement Twitch Prime. Est-ce qu'on dit récupérer les loots? Ça dépend, parce que tu peux considérer que certains loots sont précieux ou pas. Et... Ouais, non, c'est plus éclairé. Moi, je vais prendre les loots, moi. T'as bien la télécommande qui marche dans ce monde, hein, Edo. Dans ce monde-là, oui. Ok, donc ça devrait être bon. Encore abonné maintenant 4 mois, et j'en suis très fier, je te soutiens avec ton contrat Twitch. Bon courage, PS. Encore merci à mon père pour son Prime Amazon. Merci à toi, Tech YouTube, c'est très gentil. Non. Bon, sûr qu'il y en avait un par ici. Je me l'étais dit en plus, tiens, il y en a un qui s'est régénéré près du spawn vu que. On avait supprimé le monde. Alors, Mick. Ah bah tiens, love là, c'est bon. Mick, le. Ok, je vais te donner un waypoint, Edo. Le nombre d'abos que j'atteins dans le mois, en fin de compte, c'est pas le même tous les jours, il change à chaque fois. Parce que oula, ce soir j'ai pas vu après la minuit, tête de tous ces donjons là, donc je ne sais pas. Ce soir après minuit, il y a des abos d'il y a un mois qui vont pas se réabonner ou quoi que ce soit, ce qui fait que c'est bien, Edo, tu vas voir le temps en train de changer. Tu vas tomber tout sur un qui est tout petit. Pour l'instant, ouais, je les ai, mais ça se trouve, ce soir après minuit, je les aurai plus. Faudra vérifier si ce donjon a pas été éclairé. Pas déjà bah, été dès que tu rentres dedans, tu vois des torches, bon, tu te dis bon. Merci. On en avait fait qu'un normalement. On en avait fait qu'un. Hein. Oui, on en avait fait qu'un, ouais. Yes, c'est pour ça. Et au passage, ça nous fait des têtes de Wither, donc on pourra faire la grosse télécommande de Edor. C'est une pierre de coup. Et puis c'est sympa de faire ces donjons-là parce qu'il y a toujours des loots intéressants. La grosse télécommande de Edor. J'aime quand tu parles comme ça. Du coup, l'objectif, ouais, c'est vraiment à peu près éclairé tout. On laissera les gens juger du niveau d'éclairage. Après, je dirais d'éclairer chaque couloir et puis on est bon. Quoi. D'ailleurs, faites des torches à l'avance. Oh, ça y est, j'en ai 5 stacks. Ça devrait être pas faire mal. Aussi. Tu t'en es fait, Edor ? Connexion internet est-elle meilleure ? Oui, incontestablement. Incontestablement. Excellent Edo, excellent. J'ai dit au gars de Bouygues, j'en ai besoin parce que j'ai besoin de connexion internet pour gagner ma vie, qui est partiellement vrai, même si c'est, on va dire, à 5% vrai. Et le gars de Bouygues m'a dit, ah oui, vous êtes youtubeur. T'es en mode, oui. Youtubeur. Absolument. Absolument. Youtubeur. Et du coup, là, ouais, ma connexion est passée de 1 méga à 5. Donc voilà. Ah, oh! En upload. Mais après, selon le contrat, t'es censé avoir combien? Ça, je suis censé avoir 5 en upload. Donc il t'a juste donné ce que tu payes pour avoir. Oui, c'est ça. Bah, c'est tout ce que je demandais, hein. J'en demandais pas plus. Ouais, mais ça devrait être illégal, tu vois. Selon moi, quand tu prends une connexion comme ça, ils devraient venir. Ils ont déjà le matériel en place, ils devraient venir. Tester, être en mode ok, vous pouvez avoir telle connexion, votre abonnement, vous pouvez pas prendre tel abonnement parce que ça vous sert à rien. Genre voilà, ils peuvent pas te survendre quelque chose et ils te disent exactement ce que tu vas avoir quoi.
Yes. Bon bah je suis en place moi du coup, je suis prêt là. Mais bon, on jamais ça parce que... Non bah non. On est copain avec... Non mais je pense que ma connexion était bridée puis voilà. I'm ready. Moi j'y vais là. Vive demain. Pour mon pet, tiens. Autant d'user le... Pourquoi ? Il a mangé, il a fait gnam 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 gnam. Qu'y a-t-il demain ? Qu'est-ce qu'il y a demain ? Moi je ne sais pas. Moi il n'y a plus rien du coup demain parce que ça a été genre tout est fermé en Belgique du coup on a dû annuler. Ah, j'ai dépassé l'endroit où je voulais aller. Mais n'en parlons pas, s'il vous plaît. Restons. Oui, on est là pour ça. Parce que c'est vrai que même moi, de mon côté, quand je vais faire mes rediffs sur YouTube, il va faire la gueule, YouTube. Quoique je m'en fous, mais il va quand même faire la gueule. Ouais. Alors, il faut que je retrouve, c'était dans le marais. Je ferais bien un tour de dragon en attendant. Voilà. Mm-hmm. Allez, je fais. Un peu la tristesse. Et oui. La tristeur du joueur. Tristeur. La tristesse du joueur français. Ou si tout est fermé, tu vas stream plus. Bah, je vais profiter que ma femme soit en week-end demain. Pour une fois qu'elle a un samedi. On va voir ce qu'on fait. Ma femme travaille tous les samedis en règle générale et. Elle avait pris ce samedi-là spécialement pour la Mia ce week-end. Bah du coup, oui. Fuck, j'ai pas pris de manger. Oh fuck. Quelqu'un est près de la maison ? Ah bah non, moi je suis à 4000 blocs. Fuck. Je suis un peu près en vrai. Sinon je fais un aller-retour, je suis à 1500 moi. T'as vraiment de pommes là ? Oui, normalement il y a un stack. Ok, je vais aller chercher. Donc, je veux bien que t'en mettes dans la plaid alors. Là où il y a le donjon. Moi je suis prêt à speedrunner. Hein. Là vous êtes pas prêt. Hein. Oh, je vais être à la masse. Je sais plus où il est le donjon. Je sais qu'il est dans le marais, mais où dans le marais ? On va se marrer en tout cas. On va bien se marrer. Bah excellent, moi-même, excellent. Coucou à ceux qui arrivent. Non, c'est pas celui-là, ça c'était celui que ML croyait que c'était un donjon, mais non. ML ! Oui. Ouais. Hein ? Ah ouais. Où est-ce obligé que de faire tous les étages, oui. Absolument. Où est-ce que je l'avais vu ? Absolument. Ah, je sais plus où je l'avais vu, mais je l'avais vu. Et ça, c'est bon. J'aurais dû mettre un waypoint à ce moment-là. C'était prévu d'aller en Belgique, mais tous les bars de Belgique sont fermés. Mais en fait, oui, oui. Oui. C'est ce que je viens de dire. Mais oui, tout à fait. Je sais bien que t'as dit que tu n'allais plus en Belgique, mais si t'as prévu d'aller en Belgique, juste pour t'informer. Au cas où. Non, ça doit être un viewer qui est arrivé juste après la phrase, hein. Oui, je suppose. Oui, je suppose que ça. Okay. Ou alors il se fout littéralement de la gueule, mais. Ou alors, oui, il remue le couteau d'un plat en mode. Le ring, on s'en servira quand on sera dans les bas étages. Pas avant, je pense pas. Je vais trouver le donjon avec le Chorus Root parce que de toute manière, c'est le donjon qui m'est associé. Donc. Très bien. On le voit sur la minimap, de toute façon, la forme du donjon et tout ça. Donc c'est pas. C'est pas comme si je sélectionnais mon donjon. Je vais juste garder ça en fait. Là, je sais même pas où il est. Et. Il est par là ? Et il est là. Ok. Ah oui, je le vois. Ah oui, oui, ah oui, je me souviens. Si on a pas assez de torches, on pourra en crafter. On a assez de flèches. Il est en Dark Oak, le truc. Ah bah tiens, je suis à côté. Il est en Dark Oak, du coup, tu le vois pas dans la forêt. Ah bah voilà. Et c'est bon. Trouvé. Laisse-moi juste le marquer, puis aller chercher des pommes de Edo. Oui. Des pommes caramoules. Donjon réel. Voilà. Oh là là, je suis à 1000 blocs de la base. 1700. On a plein d'œufs de dragon, mais ça m'embête de re. Ça peut être pas bête de. Bah, surtout ça. Qu'il y a une valeur sentimentale, enfin, je veux dire. J'ai tous les outils avec moi pour réussir ce défi. Qu'est-ce que t'as pris ? Je vais tout faire péter. J'ai pris mon loup gauge qui va ramasser les coffres que je vais casser. Ah oui.
J'ai mon arc. Bah t'es pas vraiment censé ramasser les loots, juste... J'ai ma matoc. Juste torcher partout. La matoc, ça peut aider pas. Oui, j'ai fait un anneau force 2. Ouais, Mel, il va juste cliquer gauche avec sa pioche et... Voilà. Et moi, j'ai un anneau pour résister au feu. Et j'ai aussi... Et j'ai un autre outil aussi. Un truc pour le poison et le wizard, moi. Pour le poison, le wizard, moi. Très bien. Okay, ouais, moi aussi, hein, j'ai prévu tout ça. Hein. J'ai rien vraiment prévu, au final, c'est le stuff que j'ai en temps normal, quoi. Ok. Alors, et donc, on va faire 50-50. Voilà. Hop. Tiens, d'ailleurs, c'est dans le système. Nice, merci. Ce moment où tu dois attendre le top départ pour avancer. Attends une minute. Où est-ce qu'on se met pour le départ? Au-dessus de l'escalier, dans la structure, tu vois, au tout début de la structure? Moi, vraiment. Je suis au-dessus de l'escalier dans la structure, mais j'ai pas descendu. Je suis vraiment au niveau du sol. Oh là là, ça va être so hype. Je suis dans la structure aussi, j'attends le top départ, messieurs dames. Non, je vais pas dans la bonne direction, moi. Oups. Merci, Malocrane, pour les 9 mois de Twitch Prime. Il a mal au crâne. Probablement. Un saut de lait, tout ça, tout ça. Ouais, 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 c'est prévu, hein, bien sûr. Hein. Un saut de lait. Ouais. Faire quoi? Bah, au cas où il mange un piment. Pour faire le plein de calcium pendant le donjon. Ah non, mais c'est et pour les muesli. Ok, je suis retourné à mon donjon. Ça vient. Pour un peu plus de difficulté, on va peut-être passer la nuit. Ça, il y aura plus de mobs qui spawn sur le sol. Si tu veux. Oui, c'est vrai qu'on en a besoin, hein. On en a besoin. Ce modpack, il est trop facile pour nous. Il est trop facile, ce modpack. Bon, ouf. Merci, le jaune, pour le deuxième niveau 1. Ok. Je suis au-dessus de l'escalier. Très bien. Moi aussi, on est parti. Bah, tu fais le top, Edo. Tu fais 3, 2, 1, top, et puis on y va. 3, 2... One, go! Alors, Emel, il va déjà descendre comme un malade, je le sens. Ah, oh bah, Emel, il est déjà tout en bas va, là. Ah, ça va. Ah, fuck, j'ai. Ah, fuck, faut que je retire ça, sinon ça va m'embêter. Ok. Oh, vite! Oh. Donc, du coup, les coffres, il faut les prendre quand même. C'est un marais, il y a plus d'eau dans le on truc. On peut les prendre comme on peut ne pas les prendre. Deux? Les coffres. Les coffres, ouais, moi je dirais de pas les prendre, on les reprendra après. Parce que de toute façon, premier étage, enfin tous les premiers étages, tu peux ignorer, c'est pas des loots qui nous intéressent. Ah d'accord, alors on prend pas les coffres, très bien. Non, parce merci. Que... Merci. Tu sais, tu vas commencer à regarder dans le coffre en mode, oh je garde ça ou... Donc, l'objectif, on casse tous les spawners du coup. Ou alors on s'amuse à casser tous les coffres et prendre tout ce qu'il y a dedans. Non, ou alors, non, on doit prendre moi, je prends des trucs hein, au dernier étage, parce que c'est ceux qui sont vraiment intéressants. Ok. Ok, ça me va. Moi j'aimerais bien un petit mob violet que je peux taper avec mon épée et récupérer son effet de speed. Complètement pété. What? Ah oui, il a un truc knockback ce con. Okay. Merci pour le sub, Coca-Colique. Bon. Deuxième mois d'affilée. Un an, merci beaucoup. Oh là là, c'est le speedrun. Pourquoi? Il y a du lag là, on est d'accord. On va ranger ça un petit peu, mais moi c'est un peu quotidien. Okay. Mais là, moi, c'est hyper fluide par rapport à d'habitude, hein, déjà. Oh là là. Calmez-vous les oh là là, ils sont violents, ceux-là. Deuxième étage. Okay. Ah, mais oui, mais j'ai de la lave dans le deuxième étage. Aïe, aïe, aïe. Tant pis, j'y vais. Ah. Est-ce qu'on mènerait que vous devez battre tous les mobs que vous voyez? Ça peut être fun, non? C'est quoi ce truc? Alors, il faut me le dire maintenant, parce que j'en ai squeezé, hein. Oui, ah, moi aussi j'en ai déjà squeezé. J'en ai même cyprienzé un peu. Alors on va dire, pour le dernier étage en particulier, il faut récupérer tous les loots et tuer tous les mobs. On voit. D'accord. Comme ça, tu peux pas le skip celui-là. C'est le plus difficile normalement. Ah, ça fait comme une base, oui, je me souviens, on avait déjà fait. Non, oh, rien, un gâteau. À mon écran. Ok, là c'est éclairé. Excellent, Edo, excellent. Ah, je joue ma vie, hein. Même si je sais que j'ai perdu. Bon, je les laisse. Ah, j'ai toujours pas eu de mob violet. Si j'en avais un, je pourrais avoir un petit effet de speed. Des mobs violets qui est un speed 4, il me semble. Je serais plutôt rapide. Là, j'ai rien de speed. Toi. J'aurais pu prendre un truc qui me donne speed aussi. J'étais con. Tu aurais pu. T'en as pris un, toi, Emel? Moi, j'ai toujours mon anneau qui fait speed, en fait.
Oh, ouais, mais faire. Moi aussi, hein, j'avais pensé c'est à ça. Qui va gagner. Ah, il y a un mob violet. Et la même deux. Cet étage-là, c'est bon. Ou hein. C'est le même qui s'est juste téléporté hyper vite à cause de son hyper vitesse. Je ne sais pas, mais. Un étage inférieur. Non, hyper vitesse du mob violet. Rien à faire de la lave en fait. Là, je suis en train de me prendre des dégâts de lave et je continue de nager dedans en fait. Par contre, j'ai un truc d'araignée. Jusqu'à quand qu'on considère que c'est éclairé le truc d'araignée? Ah bah, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de points de spawn. Oh fuck, j'ai plein de trucs dans mon inventaire. Ils font mal quand même les mobs, hein. Mais non, mais non, mais non. Ah, il y en a un autre violet. Régénération, on s'en fout. Calmez-vous. De toute façon, ils me font que dalle les mobs, hein, en vrai. Hein. Aucune chance contre ML, bah c'est clair. C'est clair, c'est clair. ML, il est dans un autre monde. Il fait partie de la haute. Il triche. Je triche pas. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il triche, il est fort. Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Il dit quoi? Attendez, je change un peu le stuff de temps en temps. Ah, le truc d'araignée m'a ralenti, mais maintenant j'ai du speed. Voilà cette potion, vain Dieu. Et là, j'ai du bon speed en plus. Casse-tout. On est d'accord, on ne doit pas éclairer le fond des trous qui sont des pièges. Hein. Non, bah non. Non, bah non. C'est bizarre. Laisse-moi juste aller éclairer ça. D'où t'es aussi rapide, toi? Y'avait un zombie qui me suivait alors que je suis en speed 4. Qui me croit après. Il est arrivé en plus à me suivre. Ouais, moi, je prends le temps de ranger un petit peu dans le stockage aussi quand je récupère des items. Ouais, tout pareil, tout pareil. Alors moi là, je prends les méga loot. Moi, je laisse aucun item traîner par terre. Est-ce que je laisse quelque chose à cet étage ou est-ce que j'ai tout fait? Ah, fuck, non, pas ça. Ah, là il y a la descente vers l'étage inférieur, mais j'ai pas tout éclairé. Ah, mauvais chemin, fuck. Ah, c'est toi qui me fais voler. Tu mob. D'ailleurs, si vous tombez sur une salle avec les têtes, c'est les têtes de squelettes. Ah, bah oui. Ça faut absolument les ramasser, bien sûr. C'est obligatoire de prendre toutes les têtes. Les squelettes aussi ou juste le wizard? Non, wizard. Oui, on est d'accord. Ok. Ah mais je sais. Bah bien Est-ce sûr. Est-ce que je dois éclairer si le donjon donne sur une faille et il y a totalement la lumière du jour? Ah techniquement c'est déjà éclairé. Oui. Trouver la solution à mon speedrun. Quelle était-ce? Il y a un truc, ça fait beaucoup de gel. Beaucoup de gel sur les ennemis. Ah c'est pas mal ouais. Moi je casse tous les spawners. Hein. 2 minutes de speed. Moi je ne suis pas amusé à les casser, je me suis dit peut-être qu'ils peuvent servir. Si on veut faire un truc pété avec ouais, un spawner. C'est vrai qu'on pourrait les récupérer. Mais bon, je casse tout. Ça fait pas de mal. Et j'ai éclairé ça, j'ai éclairé ça. Non, j'ai pas éclairé là-bas. Passe ici. C'est bon, je suis au dernier étage. Non, je déconne. Il ment. Ah, je suis à l'étage où il y a la crypte. On est d'accord qu'on doit pas... Si on devait fouiller chaque truc de la crypte, on en a pour 3 ans. Par contre, je cherche les têtes, ça c'est sûr. Alors, Max Mine, tu m'excuseras, je lirai ça après, merci à toi. Oh, le mec, il tryhard quoi. Bah, attends, c'est le but, non? Ah, vu qu'on est en speedrun. C'est ML qui a tryhard le plus. Ah, j'ai des têtes. Juste des têtes de wizard. Ah, j'ai une tête de wizard. Tête de wizard. Une seule. Ce lag. Si on en fait tous une, on a assez pour Ezor. Oui. Oulala, le double jump. Là, depuis tout à l'heure, il y a Mario qui est en train de me brailler dans les oreilles. Yahoo! Yahoo! Les gens qui me regardent, ils ont une des sueurs froides là, je peux vous le dire. Yahoo! Yahoo! Salut les gars! Je suis tellement rapide, je peux juste éviter tous les morts en fait. Je vais plus vite. Bien plus vite que. Okay. Enfin, moi je fais des murs de glace de mobs. J'ai encore un truc d'araignée. Du coup il y a plein de toiles d'araignée. Mon ennemi mortel. Ouais ça bouge, ça je prends. Si on devrait trouver des mégalos, non hein, dans les derniers coffres. Normalement ouais. Tout ça c'est éclairé. Y'a un wizard, il est mort le wizard. Loaching, on s'en fout. Ok.
Oh, c'était rapide, pourquoi? Ok, on va ranger ça. Là, je suis en train de ranger des torches en même temps, mais c'est pas grave. Ouh, il y a un creeper, il esquive. Alors, j'ai eu un des coffres piégés. Allez. Ah, ça fait boum, du coup. Du coup, je volais juste dans l'explosion en mode, ouais, et alors? Bravo. J'ai encore toute ma vie, j'étais juste en mode, bref. C'est sûr. Ranger Vindicator, il a un nom au-dessus de sa tête, c'est normal? Ça veut dire que c'est un méchant, un vrai méchant pas beau. Mais il est mort du coup. Ah, il était pas si méchant là. Ok. Est-ce que je dois éclairer le trou que ça a laissé la TNT? Ouais. De toute façon, tu me diras. Bon, c'est l'étage d'en dessous, j'y passerai de toute manière. Ouais, voilà, donc bon. Ok, moi, ça a l'air plutôt fini cet étage. Là, je vais commencer à penser à aller en dessous. À quel étage? J'ai fait le premier, j'ai fait le deuxième, donc troisième. Ok. Au troisième, moi aussi. Également, au troisième. C'est un spawner d'araignée en espérant qu'il y ait une petite araignée violette et que je puisse récupérer l'effet de speed, mais non. J'ai plus mon speed complètement pété. Ce qui est fort regrettable. Par contre, c'était où le chemin de retour? C'était où le chemin pour descendre? Est-ce que j'ai tout éclairé à cet étage? J'ai l'impression que... Oui, ah, c'est ici. Il y a des fois, je pense que c'est éclairé, quand même. Selon la minimap, c'est éclairé. Je vais quand même checker pour être sûr. Voilà. Ah, les tombes, les fameuses, qu'est-ce qu'on fait du coup? Il y a des Withers, hein. Je les tape. Hein. Juste récupérer les têtes. Quoi. Alors, est-ce que j'ai tout éclairé par ici? Je ne sais plus. Le gars s'autocongèle. C'est fait. Il s'autocongèle. Je vais quand même checker derrière le mur ici. Par ici, il y a un trou, on s'en fout. Bon lieu. Je passer. Oh là là. Dégagez là. Gravier. Ici, c'est fait, on va dire. Hein. C'est pour vider mon inventaire. Moi. Je suis même pas. Merci pour le host. Je suis passé du coup. Tungsten. Oh bah c'est Tungsten. Tungsten. Ouais, c'est Tungsten. Tu connais? C'est une build 2 sur mon serveur, frère. Une c'est quoi? Pro. Ah, une buteuse. Une buteuse pro. Incroyable, bah merci. Ouais, je savais hein, qui c'était. Elle est un peu bizarre hein, par contre. Voilà. Ah. Toi, tu te considères comme normal ou pas? Non. Oui. Peut-être, peut-être. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des pièges à cet étage. Ils sont énervés. Étage numéro 4. Ah, là, là, j'ai vu la TNT. Je me ferai pas avoir cette fois. Il me regarde. Donne-moi tout ça. Oh la vache, tout ce qu'il a lui. J'en ai pas besoin, mais il bon. Il est temps de lui faire un petit tri là-dedans. Ah, j'ai activé une TNT. Oups. Au revoir. Oh, un creeper violet. Oh non, il est mort. Damn it. Ok. Je voulais taper le creeper violet, récupérer son effet du speed. Oh, il y a des common shards ici et tout. Ouais, faudrait que je les récupère. Long cast. Pour le quatrième étage, j'y repasserai pour récupérer les loots. Après, ça c'est sûr. Il y a des trucs intéressants. Ah, il y a un squelette violet, mais il a pas fait long feu. Ah. Tu devrais te mettre siphon sur ton épée. Oui, off. Oh. Siphon magic. Quatrième étage. Magic siphon. Siphon. Ah, t'es invisible, toi. T'étais invisible, toi. Je t'ai pas regardé. Il m'a fait tomber dans le trou et puis moi j'ai juste fait multi-jump. Calme-toi. En dehors des trous. C'est un chest classique. De toute façon, je les casse les chests, je les joue même pas. ML, il récupère quand même les loots quoi. Ah, moi je dis ça mérite un point bonus. Oh, si tu savais comment je fais mon donjon, je suis pas sûr que tu me donnerais les points bonus. Hein. Ah triche. Je triche pas. Mais c'est dégueulasse. Disons que je l'ai bien gardé pour moi. Ah, t'as un item spécial ou autre chose, toi. Qu'est-ce que t'as? Ah bah ça va être au chat d'essayer de donner l'information sur le chat de Edo, parce que je suis sûr que sur le chat de Edo, y a pas de problème, ils vont pouvoir tout balancer. Mais qu'est-ce que t'as? Dites-moi les gens. Il a un truc bizarre, lui. Je
J'ai oublié d'éclairer. Bah, en gros, juste pour donner un petit hint, je pose aucune torche. Ah. Ah, t'as un truc qui pose automatiquement des torches. Waouh, ouais. Ok. Ouais, c'est pas... Si, c'est pété. Oh, c'est pété. C'est éclairé. C'est pété, mais... De toute façon, j'espérais pas gagner quoi que ce soit. Moi, je joue ma vie, là. Là, je suis dans le mood de devenir un influenceur très sérieux. Ah ouais, dans le mood. Ouais, oh, le mec. Bah oui. Est-ce que j'ai une tête de wizard à cet étage? Non. Evil Live. Je regarde les coffres quand même, hein. Il y a des trucs intéressants. Fais gaffe que t'as des coffres qui sont piégés aussi, hein. Yes. Ouais, vu que battez-vous je suis un joueur qui va très expérimenté, je sais les reconnaître bien. Dites-moi, entendu. Dites-moi droite ou gauche qui gagne. Gauche. Gauche. Je sais pas, il y en a un qui balance du feu et... En fait, ils ont tellement de vie, ça va prendre du temps de voir qui est le gagnant. Du coup, juste pour contrarier Edo... J'ai fait perdre celui de gauche. Ah yes, oh. J'ai les trucs avec les têtes de squelettes. Faut ramasser les têtes blanches aussi, non? Faire non. Des têtes... Non, t'es pas obligé. Ok. Bah, y'a zéro tête de wizard. Ah wizard. Bah, ça se peut, hein. C'est pas de bol, mais ça se peut. Ok. Dégage, je le regarde. Oh là 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 là. Ok. Parce que tout est bon ici, tout le monde est gentil. Non. Il est méchant. Ouais, ouais, mon épée elle a été nerfée avec tellement grand cet étage. Il y a des fichus silverfish invisibles. Où es-tu? Là. Il y a des mobs de temps en temps avec des panneaux knockback 10 là. Ah, ils sont un peu chiants ceux-là. Hein. Et tu te fais éjecter ta mode. Ah, bah oui, ok. Ok, ne pas oublier pour le dernier étage, récupérer tous les loots et casser... Ah, peut-être pas, casser les spawners ou les éclairer bien comme il faut. Moi, depuis tout à l'heure, en fin de compte, je fais le bois, hein, parce que je casse tous les spawners, sauf celui d'Enderman. Ah, moi aussi, je casse tout. Et je récupère tous les loots que je peux. J'ai un mob violet. Aïe, aïe, aïe. Speed. Oh, je me fais exploser, là. J'ai entendu un bruit chelou, puis ça fait spawn 20 000 trucs. T'inquiète, Edo. Puis là, j'ai pas mon Ray ou mon ML à suivre pour pas me perdre. Ah! Ah! Ça, c'est sûr. Va-t'en! Non, je descends pas encore à cet étage. Y'a le zombie qui m'a poussé. Je pense que j'ai fini mon quatrième étage, moi. Je vais faire un check. Je trouve pas d'autres passages. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si vous êtes arrivé, monsieur. Ah, je ne sais pas, mais là c'était très violent ce qui s'est passé. Explosion ? Méga explosion, ouais. Ah oui, bah c'est ça, c'est les coffres piégés. Ok. C'est ça en fait, j'ai eu la même chose, t'inquiète. Kaboom. Okay. Giga explosion, quoi. Oui, c'est rien, franchement, je recheck. Merci pour le sub, je regarderai juste après. Oh, le mec il regarde même pas ses subs tellement il est en tryhard. Ah ouais, non, je suis en tryhard, moi je suis au dernier étage là, les gars, donc c'est bon, moi je rigole plus. Hein. Il rigole. Moi je suis zéro. Là pour gagner, je suis pas là pour jouer, les gars. Ok, maintenant je suis au dernier étage, moi. Mais il faut que je récupère tous les loots, du coup ça va me ralentir. Oui. Moi je cherche l'escalier pour le dernier étage. Ok, donc là... Ah, ils sont déjà un peu plus vénères, les mobs, à cet étage. Oh, ça va. Mais ça va. Ils sont juste plus chiants, en fait, c'est surtout ça. N'oubliez pas qu'on a Venmine, hein, donc quand vous avez la zone avec les araignées, vous pouvez juste Venmine l'étoile avec l'épée. Ah, j'oubliais. Oh, oui, je le savais, hein, moi j'y pensais à chaque fois. C'est plutôt pratique. Moi aussi, hein. Bien sûr. Vraiment... J'ai pas de quoi... Bon, je vais juste... Alors, l'araignée invisible là, c'est bon. Fuck, j'ai mis mon golden. Je suis sûr qu'ils n'auront pas eu tous les spawners. Parce que là, je trouve des spawners qui sont cachés dans les murs.
Mais du coup, s'il y a de la lave et que c'est déjà éclairé. Hey. Il joue avec les mots, hein. Il joue avec les règles. Oui, bah, dis le mec qui a un truc qui place des torches automatiquement, quoi. Bah, on n'a pas dit que c'était interdit, hein. C'était pas écrit sur le contrat, hein. Moi. Ah, ouais. Moi, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, hein. Ah, j'ai une autre tête de bizarre. Tiens, ça va qu'on est résistant, hein. Oh, okay, que oui. On serait pas résistant, on ferait pas ces donjons à cette vitesse. Je vois tout ce que je prends dans la tronche. Ah, c'est prochaine là, ça fois, explose. On le fait juste avec Iron Flash sans armure. Alors, bah du coup, tête de wizard pour Edo. Voilà. Ok. Deuxième. Je suis dans la méga salle de méga loot. T'es dans le dernier étage, toi. Ouais. Le mec. Oh, je trouve même pas l'escalier. Très bien, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Vous savez quoi? On va tout prendre. Si on a des, si on a des méga loot caisses, ça pourrait être sympa de regarder. On est d'accord, hein. Non, pas de coffre. Oh. Pas de coffre non plus. Okay. Ah, araignée. Bah, tranquille, toi. Laissez-moi tranquille! Il est énervé. Mais n'arrête pas de m'attaquer! Oh, il y a des diamants! Nice. Je demande diamant. Ah, le poison. Mais je suis pas censé être immunisé au poison, moi. Apparemment, non. Génial. Alors, ici, il y a un coffre que j'ai oublié. Est-ce qu'on a des spawners qu'on a oublié par ici? Non. Bon. Ah non, c'est que je me suis trompé. Par là-bas. Une grotte, ça n'a pas d'importance. Oh, salut, toi, je t'avais pas vu. Non. Ah, il s'est barré. C'était quoi ça? Un wither squelette, ça? Je sais pas. Il me faut une hache. Nouvel endroit, ça. Voilà. Non, je les ai fait sur ces murs-là. C'est bon. On passe par ici. C'est bon. Ailleurs. Je vais passer par ici. Et repasse par là. Ah, j'ai même plus le temps de réfléchir. Je casse. Là, c'est nouveau. Pour péter les spawners. Je vais trouver le dernier étage, enfin. Nice. Allez, on descend. Messieurs, dames. Alors, ah, c'est la salle avec tous les loots. Il va ne rester plus que ça à faire. Ah, t'es, donne-moi ton effet de speed et de strength, merci. Il est marrant ce donjon parce que j'ai pas eu de salle de... Yes. De blaze. Ah, je l'ai tué avec de la magie en fait. Bravo. Bon, là je casse le spawner à cet étage là parce que là je vais devenir ingérable. Ah, moi je casse tout, hein, les spawners de toute façon. On a dit qu'on devait le faire, non? Yes. Ou non, moi, c'est juste les torches. J'ai officiellement terminé le dernier étage. Oh le mec. Oh le mec. Terminé. Du coup, messieurs, je vous laisse terminer. Mel, il a triché. Hein. J'ai pas triché. Ouais. J'ai tout récupéré. Oh la vache, j'ai plusieurs mobs violets, c'est la violence. Du coup, je vais dire merci à tous les subs qui sont arrivés. Vas-y. Il a triché. Il faut voir qui est deuxième, du coup. Mais t'inquiète pas, Edo. Alors, du coup, Max Mine qui a offert énormément de subs, il n'y a pas le nombre exact. Je serai au moins troisième. Attendez, c'est peut-être écrit là. Il a offert 20 subs ce soir. Moi j'ai à peine de commencer le dernier étage. Donc on est donc loin. On va faire un sub à Natsu Targnir, Matkak, Seth Corrigan, Rockman, Nox Army, Saint Tortue, Snoopy, merci. Corslin, Tanguy TV, Dark Wolf, Monsieur Aï, Icarius, Auguste, MC Yann, Slid. Flopuxit, Ruben le Portugais. Ah, il y a un spawner ici. Torstein. Hop, il y avait un spawner. Tinibrico. Ok, ici c'est déjà et, fait. 1407, Alex. Du coup, bienvenue à vous 20. Un gros GG à Max Mine. C'est ça, Max Mine. Heureusement qu'on a la résistance, parce que là je me fais balader par les mobs. Du coup, merci également Baitis pour ton 3ème mois d'abonnement Twitch Prime. Merci beaucoup. Et Kelkoko pour son 25ème mois d'abonnement Twitch Prime. Bienvenue à vous tous et un gros merci. Ça en fait du monde. Carpenter Create, ça s'ouvre pas ce truc là? Je crois que tu dois le casser. Parce
que j'ai eu tous les spawners. Ouais, ça donne des vieux trucs en bois, ok. Ah bon, c'est pas terrible. Je refais le tour quand même du dernier étage. Carpenter Crate. Ah oui, bah oui, un truc de carpentier, Carpenter Drive. Ouais, non, ici, ouais, il y a plus rien là. Nous le savions. Je suis immunisé contre le feu, ça c'est bonheur. Hein. Ah, allez, c'est le dernier mob de cet étage, après je peux récupérer les loot. Ici, il n'y a plus rien non plus. Puis faire un dernier check. Ouais, là je suis en train de le faire mon check, mais à mon avis j'ai tout fait. Hein. Fais un chèque tartare ou plutôt acheter un chèque frit? Oh, un petit chèque tartare là. Je ne dis pas non. Excellent. Je ne dis pas non. Excellent. Ando. Ah, j'ai eu un méga loot. Ça, c'est déjà fait. Ah. Après, j'ai quand même eu chaud hein, parce que mine de rien, moi je suis allé récupérer les loot de tous les étages aussi. Hein. Et j'ai cassé les spawners de tous les étages. Mais t'as triché. J'ai pas triché. C'est pour la fois où tu disais que j'avais fait ma maison en utilisant l'autre truc. Oh bah, c'est pas de ma faute, c'est ta maison, c'est une préfab. C'était QML qui me disait en plus. Je suis d'accord. Au secours du coup là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je pense avoir fini. Je vais juste checker si j'ai fini. J'ai pas oublié de tête de wizard. T'as pas eu de tête de wizard du coup, ML? Ah si, j'en ai eu quelques-unes. Ah. J'en ai eu deux. Pathétique. Ah. Oh. C'est pathétique, c'est la mienne. Wait. Ok, je l'ai pété quelques spawners ici. The trap. T'as pas triché, t'as juste des viewers plus malins. Exactement. T'as des viewers plus malins. C'est les viewers qui m'ont proposé d'utiliser un item qui s'appelle... La lanterne of paranoïa. Tu te proposes de te doper, tu t'es quand même dopé. Hein. Et oui, et moi on me propose de sauter de la tour Eiffel, je le fais. Hein. Ah ouais, je suis au dernier étage là. Enfin, je suis au dernier truc. Merci RTNA Monster pour ton deuxième au niveau 2. Merci à toi. Les derniers. Je crois avoir terminé, moi là. De toute façon. J'ai beau checker et tous les coffres de l'autre ont été vidés. Faut que je clear, hein. J'ai pas le choix. De toute façon, j'ai plus de mana dans la. Ça, c'est pas mal, ça. Parce que ça, c'est un. Je crois en toi. Ouais, moi, même moi, je ne crois pas en moi, hein, Fredo. Mais merci en tout cas. Ouais, ouais. J'ai rechecké et pour moi, j'ai tout terminé. Bon, bah, GG. Ça, c'est nice. Sans trop de surprise, hein. Oh, moi, je suis serein. Il y a plus un mob dans le donjon. Vous pouvez regarder à mon écran. Du coup, je suis bien là. Félicitations à tous. Combien de temps il nous a fallu? Pas très longtemps, hein. Non, pas très longtemps, ça pour. Moins de. Vindique t'as chronométré, il va afficher les temps de tout le monde. Moins de 40 minutes. Mais moi j'ai pas fini après. Bah dépêche-toi. Non! Ce coup de stress. Maintenant il faut aller chercher tous les loots. Ah, je vais prendre aussi mes méga loots. Les ouvriers. Provide speed 1. Où est-ce qu'ils sont? What? Mis dans le système de stockage, mais je vois pas. Où sont les méga loot dans le système de stockage? Comment ça s'appelle déjà le truc en vrai? Loot. Tape en loot, je tombe sur les autres, mais pas les méga. Les méga méga. Ouais, j'ai que des petits moi. Où sont les méga que j'ai mis? Ouh là 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 là. T'en as récupéré combien des méga? Je les ai ouverts. J'en ai ouvert un. J'en avais récupéré un ou deux. Parce que moi j'en avais récupéré un aussi. Hein? Bah il devrait y être. Bah ouais. Pousse de lure. Bah. What? Mais méga loot machin cette chose. Sante. J'en ai récupéré des dorés aussi. Ah, j'ai des rares méga loot. Mais... C'est Edo qui les a pris. Non, mais il les a pas pris là. C'est toi, ML. Ah, moi? C'est bon. Tu rigoles à moitié. Je veux ce qu'il y avait dedans. Même très si bien, c'est dans, mon loup, c'est dans mon loup gauge, les gens. Mais je voulais le plaisir surtout de les ouvrir, eh. Bah, et moi j'ai laissé les petits. Vu que ML est le gagnant du speedrun, tellement il est rapide, bah, il peut aller faire un autre donjon. Très bien.
retrouver les mégalodes. Je vais faire un autre donjon alors. Ça devrait être assez rapide, hein. Tu m'as gâché le plaisir de pouvoir les ouvrir et de me dire ah, j'ai une épée de mer. Ça va, on va aller en chercher d'autres pour Monsieur Shama. J'avais oublié d'écrire un couloir, je viens juste de m'en rendre compte. Bravo. Ouais, je dis oh, ça, c'est mais sûr, il y a plein de couloirs non éclairés. Hein. Terminé. J'avais trouvé une petite salle que j'avais pas éclairée, c'est tout. Ah, moi, il y a un full couloir. Je l'avais pas vu jusqu'à maintenant. Tu me diras, je peux faire un petit slash home, ça ira plus vite. Ouais, moi, je vais faire tout pareil. Hein. Mais du coup, ça veut dire que... Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a là, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Du coup, dans la base, je peux mettre des torches partout maintenant. En plus, j'avais hésité à les garder, les mégalotes. Bah, moi aussi, je m'étais dit, je vais peut-être les garder parce que sinon, on va les mélanger avec les autres. Oh là là. Puis au final, et du coup, lui, il s'amusait à les mélanger vraiment avec les autres et à juste tous les prendre. Sante! C'est tout bonnement honte. Comme ça, il n'y aura plus aucun mob qui spawneront dans la base. J'ai 3 têtes de bizarre, du coup. Ah, pas mal. Du coup, on peut se faire un wizard. Enfin, ouais. On peut juste littéralement défoncer un wizard. Je vais quand même faire l'avant-dernier étage. Il y avait quand même des loots, non? Est-ce qu'il y a des mégalotes dans l'avant-dernière? Je crois pas. Mais... Tu peux trouver des loots jaunes sur l'avant-dernier. Ouais, ceux aussi que t'as ouvert là. Sont... Bon, le gage, normalement, il est censé me suivre partout. T'as ouvert aussi les jaunes là, hein? J'en avais trouvé des jaunes aussi. J'en avais trouvé aussi. Mais du coup, vu que je sais pas combien il y en avait, bah oui. T'as tout ouvert. J'ai fait mon égoïste. Moi, je l'ouvre tout également. En plus d'avoir pris les meilleurs, il a ouvert aussi les seconds meilleurs. Quoi. Du coup, il est resté dans ma grotte. Il est resté dans la grotte. Il est resté dans ma grotte. Il y a mon Lugage. 15 attaques de damage. Bon, ta punition, ML. C'est pas grave, je peux le recrafter. Top punition quand même. Du coup, ça, je peux virer. Voilà. Hop. Sympa. C'est sympa et c'était assez rapide au final. Je pensais que ça allait prendre plus de temps. Ah, ça, c'était un éclair, ML. Oui, c'est fait exprès. C'était pour avoir mon Lugage qui brille. Mmh. Ah oui, regarde bien. Merci. Les enfants. Ah, j'avais oublié un bout ici aussi. Bon, j'avais mis une torche, donc. Je vous le rends. Tenez. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'était des grilles, alors ça doit pas être hyper. Ah, c'était des grilles. D'accord. Donc vous me vomissiez des choses pas très intéressantes. Oh, celle-là, elle est nulle, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Il y en a qui sont jolies, ouais. Regarde. Yeah. Je la vois cette pas. Épée, là. Pour moi, tu donnes un coup dans le vide. Ah bah oui, non, d'accord. C'est vrai qu'on est tous tout nus. Bonjour. Tiens, ouais, une belle épée. Ne sert à rien, mais elle est jolie. Bond of Agony, 6 damage. Ouais. Pareil. Mais elle est jolie. Enfin, je la vois pas encore. Vous pouvez vous faire un cœur. Il y a un cœur dans le stockage. The Big Buddy. Hop, je l'ai pris le cœur. Ça. Ciao. Du coup, t'as eu des loots intéressants dans les méga loot bags en plus. Je les ai tous remis à l'intérieur du stockage. J'ai juste récupéré une. Avec les pics. Une hache qui est pas très jolie mais qui est unbreakable. Donc c'est ma hache, tu veux dire. Unbreakable. Emel, reviens. Au revoir. Ma hache. Ma hache. Attendez, il faut que je refasse un autre donjon. Une hache en dragon style de toute manière. Donjon. Celui-là, c'est celui qu'on vient de faire, hein. Je crois bien. Alors, ouais. J'ai plein de levels, je vais le stocker. Moi. Je crois que celui-ci, ah bah non, on l'avait noté, mais on l'avait on pas trop fait. Haut, du coup. Trop bas. Trop. Bah, l'XP drain ne marche pas là. Peut-être parce que le cube est plein. Ah non, c'est bon. Pendant que l'autre dégueule, c'est dégueulasse. Oui, il faut réinstaller le pack s'il n'y a pas tous les modes. Hein. Ah bah on a plein de Wither Skull hein, là. Ah tant mieux. Bon, je vais refaire éclore un dragon du coup, je suppose.
Ah, du coup, des œufs, il nous en reste pas mal, non? Ouais, ouais, on en a. Ouais, on en a encore. Hein. On a même pas cassé le chaîne cube, hein. Dis ça, je dis rien. Non, ça, ah, c'est oui. Vrai, ça. Mais vu que ML m'a enlevé le plaisir, on en casse tous les deux un et deux. Oh, je casse celui du milieu. Oh, de l'XP! Nice. Je casse celui-là. Il y a Given Basically. Casse-en un autre. Drone Tour. Oh! Ah! Fais peur. Oh! Ah. Oh, je te jure. Bon. C'est marrant ça. Troll. On est reparti pour un autre donjon, messieurs dames. Vas-y, j'en ouvre un deuxième aussi. Vu que ML a ouvert tous les mégalos. Attends, je vois rien, je suis en mode zoomé. On saura ce qui arrive. T'en as ouvert un autre là? Non, pas encore. Là, je vais l'ouvrir. Finalement, je vais échapper la colère des Chance Cube pour le moment. Ok. Viens, Edo. Yes. Où ça? Par là, viens. Ok, bah, j'aime bien faire ça en règle générale, mais. Viens. Merci, Sharky, pour avoir renouvelé l'abonnement. Ah, c'est plaisant la connexion qui tient. Hein. Bah oui, t'es un youtubeur. Hein. Maintenant, t'es youtubeur, ouais. Ah ouais, ouais. Félicitations. Très clairement. Tu vas raconter l'histoire à ton chat et au mien au passage, du coup. J'ai déjà fait, mais je vais la refaire. Ah bah oui. Ah, il est invisible, ce con. Merci pour le sub, SSGG. Bah en fait, pour la connexion, j'ai appelé Bouygues. J'ai programmé un appel, le gars m'a dit qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai une bonne connexion en débit montant, 30 mégas et quelques, donc très suffisant. Mais par contre, j'ai un débit descendant, l'upload. Descendant, c'est download. Hein. Donc, c'est... Oui, enfin, je confonds souvent les deux. Enfin, bref, yes. le download, ça allait, mais l'upload, c'était dégueulasse. Il était à 1 méga. Impossible de stream avec 1 méga. Oui. Et du coup, le gars a vérifié. Deux minutes après, il m'a fait ouais, bah, réessayez, voir. Là, j'étais à 5, tu vois. Donc 5 fois plus puissant, du coup. Et il m'a dit, ça devrait s'améliorer encore plus dans les 7 jours, parce qu'il y a encore... Enfin, ça travaillera pendant 7 jours, donc je pourrai avoir des micro-coupures, mais après... Tiens, Edo. Après, voilà. Juste à côté du truc lumineux. Tiens, Edo. Voilà ta télécommande. Ah, nice. Sinon, pour l'histoire, quand j'ai dit j'ai besoin de la connexion pour travailler, le gars m'a dit, vous êtes youtubeur? Voilà. Si je reste à côté, c'est dangereux. Non, ça va. Ça vient de là, l'histoire. Mais là, on l'avait jamais fait, celle-là. Parce que moi, j'ai déjà appelé plusieurs fois à l'époque Bouygues, quand j'étais chez eux. Ouais, je leur disais, on m'avait déjà fait, vous êtes rentier? Ah ouais, non. Non, bah j'aimerais bien, mais non. Non, moi, rentier. Généralement, quand on me demandait, qu'est-ce que vous faites, je fais, bah, si vous regarde pas, je gagne juste ma vie sur Internet, monsieur, c'est tout. Ah! Nice! Il a gelé le Wizard! Je peux faire ça. Le Wizard ça a un grand bloc de glace, il tient juste dans le ciel comme si de rien n'était. J'ai libéré quand même. Ça lague un tout petit peu. J'arrive pas à le taper parce qu'à chaque fois. Ah voilà, là j'ai réussi à vraiment lui donner un coup d'effet. Oh! Ça y est, il est énervé là. C'est bon. Yay! Vous-en, les zombies! Ils font vraiment plus rien, les mobs. Un petit peu. Ils nous font plus rien. Par contre, qu'est-ce qu'il va y en avoir des saloperies dans le stockage? Tu l'as, Auré, la. L'étoile? Ouais. Tu as l'étoile? Yes! Yay! Tiens, Edo! Salutations, Icarus! Ah! Un deuxième! Oh oui, il y avait assez de têtes. Pendant qu'Amel s'amuse. On s'amuse. Amusez-vous. À foutre le bordel partout dans cette pauvre petite plaine. Oh, il y a un zombie violet en plus. Bah, il n'y a plus de zombie violet du coup. Culette qui m'aide. Oh, c'est tellement pété cet item quand même. Ah! Sympa, je suis tombé sur un chevalier. Piou 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 Wizard. Vas-y, énerve-toi. Ah, y'a un coup de lag. Oui.
Ah oui, je l'ai senti. J'ai senti. Vraiment, si j'aimerais la faire, rien. On ferait pas des coups de langue par moment quand même. C'est possible, hein. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ce. Bonsoir ceux qui arrivent. Bisous à ceux qui s'en vont. C'est bon. Voilà. Nice. Voilà l'étoile. Ouh, il est résistant. J'aurais peut-être dû tirer la flèche, c'est pas grave. Oh, je vois plus rien, je suis zoomé. On va zoomer, zoomer. Laisse-moi tranquille. Tu as la deuxième étoile? Non, c'est moi qui l'ai. Nice. Là, nice. Yeah. Où es-tu, Auré? Du coup, je crois que t'es invisible. La meilleure télécommande, c'est la Advanced Storage Remote. Et tu l'as fait. Il est mort. Sous est le mort. Réceptacle. The magic of this item prevents you from dying when you in your inventory. Right click to decorative clay to bring the soul. Oh. Oh, dis donc, ouais. J'ai récupéré 7 common loot bags. Vous savez quoi? J'ai laissé tous les loot bags dans le luggage. Don't worry. On n'a pas de magma bloc. La blague. Comment? On n'a pas de magma bloc. Pour faire le craft. Ah. Bon, tu vas vite en chercher. Non, mais on peut en faire avec 4 magma grim. Vas-y, go. Je vais t'en chercher. Non, c'est bon, j'ai. Je vais t'en chercher. J'ai. Laisse c'est bon, faire. Merci. Laisse le faire, Edo. Il est frustré, laisse le faire. Pour la peine, je veux juste revoir ML tomber dans le ravin. Encore une fois. Yeah, moi je veux revoir ML exploser maintenant. Ouais. Très bien. Dans ce cas-là, je vais garder les loot chests, hein, ça vous va? Quoique techniquement, je les ai déjà gardés. Non, mais faut pas le prendre comme ça. Oh, mais là encore, Vadek. Non. Encore. Encore l'explosion aussi, s'il vous plaît. Vadek, je te paye le double. Les deux en même temps. Là, j'en veux 16, tu vois, l'un à côté de l'autre, juste. Ouf. 32 maintenant. Multiplié par 2 plusieurs fois encore. Voilà. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus. C'est qu'il y ait une image en pixel à chaque fois. Oh là, je l'apprécie. Oh, excellent, Edo. Ou alors, si t'as la flemme, bah tu mutes ce que je viens de dire et puis terminé. Ah. C'est vrai qu'il peut faire ça. Hein. Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne plutôt bien. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on a eu le wizard, Edo a sa meilleure remote. C'est plutôt cool, j'ai envie de dire. Ouais, parce que du coup, il pourra avoir accès au stockage partout dans toutes les dimensions. Yes. Je sais pas c'est quoi ça, mais... Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas du coup... sur un gros truc, quand même. Non, pas sur un gros truc. Mais là, c'est déjà pas mal, mine de rien, pour un épisode, je trouve. Hein. Mmh. Tu penses? Moi, je pense, oui. Plutôt là. Oh, bah, j'aime bien lui donner 4 heures de record pour qu'il me dise. Ah, j'aime bien. Bah, sinon, on peut essayer de trouver un autre type de donjon. Vous savez, les donjons qu'on avait trouvé dans la Twilight, qui sont plats là, on peut peut-être essayer de retrouver dans l'Overworld parce que eux, les loots sont 1000 fois mieux que ceux du roguelike. Quand je dis 1000 fois, c'est même dans pas une métaphore. Comment c'est un peu les mêmes structures que les roguelikes en fin de compte. C'est des structures à la surface. Ah, comme un peu on avait trouvé une fois avec. Plus ou moins, ouais, mais c'était pas vraiment celui-ci. Et en fin de compte, dedans, tu peux vraiment tout trouver. Tu peux même trouver des Nether Stars à l'intérieur. Pour dire que c'est vraiment pété. Qui spawnent aussi dans les océans ou autre chose, qu'on pourrait les trouver plus facilement. Ouais. Ouais, mais est-ce que leur taux de spawn n'a pas été nerfé? Si, bah si. Pour ça qu'en fin de compte, sinon, faut aller dans la toilette et essayer de retrouver dans la toilette parce que c'est plus simple. Parce que la toilette, le niveau du sol est plus bas. Ah ouais, bah on va dans la toilette et ouais, on va le chercher. C'est l'épisode des donjons. Maintenant, on fait un speedrun, celui qui trouve un de ces donjons en premier dans Twilight. Voilà. Ah bah vous allez gagner, monsieur. Allez, go maintenant, c'est parti. Parce que moi, faut que je termine mon donjon, moi. Ah, c'est parti. Allez. J'ai perdu dans la Twilight, déjà, c'est ça le plan. Vite. Le mec, qui cheat. Mais non. Qu'est-ce que ça fait, man, hein? Je sais ce qu'on pourra faire, moi, pour le prochain épisode. Est-ce qu'on avait pas trouvé un quelque part? Je regarde sur la minimap, hein, pour regarder. Ah. On les voit, s'il y en avait un de général. Comme con. Non, j'en vois pas. On l'avait mis la toilette. Ça générait quand même assez peu souvent, hein, bon, ce qui est logique. Moi, je cours sur mon viking et puis je vais me balader à Twilight et trouver un donjon.
je ne veux pas terminer cet épisode tant que j'en ai pas trouvé un. Et que j'ai pas eu un méga loot box chest over the doom et que je l'ai ouvert devant ML. Ça ressemble à quoi ce que tu cherches, Ray? On est dans la Twilight, et en fait dans la Twilight, tu sais, il y avait un donjon qui flottait un peu à mi dans les airs et qui était tout plat, c'était juste des trucs de planches et tout ça. Mm-hmm. Mais ça, c'est des donjons. Pour répondre à combien il manque de subs, on a le compte. Tout plat avec des planches, ah oui, mais tous les jours, il y en a moins. Facilement. Parce que ceux qui étaient abonnés il y a un mois ne se rabonnent pas forcément aujourd'hui. Du coup, en fait, il faut continuer. Et gardez pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, bah après, si vous avez plus envie de prendre de seum, les prenez plus. C'est sympa de se balader dans la toilette. Mais pour l'instant, on est dépassé. Enfin, pour l'instant, on est au-dessus des 350. Joli dimanche. Est-ce que demain, on sera au-dessus des 350? Je sais quand. Le problème de la toilette, je le verrai que demain, malheureusement. C'est la même depuis je ne sais combien de temps. Ça a changé un peu, mais. Voilà. C'est un peu comme un ces jeux. Un peu comme ces jeux de Early Access qui ont de Early Access depuis 5 ans. Et c'est exactement le même gameplay depuis 5 ans. C'est juste qu'il faut rajouter ça ici, là, et puis vite fait un autre truc. On sent que la connexion va mieux, hein. Ah oui, ça tu vas pas t'en remettre avant un moment, hein. Oh là, ça fait vraiment du bien, hein. Ah bah oui. C'est sombre ici. Surtout quand tu fais un peu de taf sur internet, ouais. Ouais, carrément, ouais. Tu viens quand sur Ainablock? Je sais pas trop. En vrai, j'arrive pas à me motiver à me connecter et à faire un truc à fond. Ouais, puis surtout que vu qu'on parle assez régulièrement de l'Ecube en ce moment, on sait que ça va pas tarder à arriver. Voilà, c'est ça. Pas tarder. Ouais, il y a le temps, mais enfin, je veux dire, on en parle de plus en plus sérieusement. Dans 3 mois, quand ML aura ses. Voilà. Merde, j'ai pas noté le. J'ai pas noté les coordonnées. Après, j'ai la mini carte. Calmez-vous, Creeper. Calmez-vous. S'il vous plaît. J'ai été gâté dans cette salle, il y avait 5 têtes de Wither ici. 6, 7 têtes de Wither. J'ai été gâté. Oui, gâté. Gâté. Ah, y'a le chat qui est revenu. Je l'entends. Ah, j'ai trouvé un des donjons. Nice. Et celui-là, il est pas tout défoncé. Il y a encore le toit. Ah, moi, je viens de retrouver la montagne avec de la glace partout. On sait qu'Auré était passé par là. Ensemble, pas avec cet égoïste de ML. J'en ai trouvé un, mais on l'a déjà pillé. Égoïste. Égoïste. Où es-tu? Moi. Il a dit égoïste. Je vais coordonner à toi et pas à ML. Moi, je vais le donner dans le chat, donc il pourrait juste venir. Ah mais moi je termine mon donjon avant, hein. Ouais bah si t'es pas content Je suis égoïste, les coordonnées seront dans le chat, ouais. Mais par principe c'est à moi qui les donne. Voilà. Voilà. Par principe, ouais. C'est pas comme si je les donnais pour toi, Baka. Baka, je fais ma tsundere. Bravo. Tsundere. C'est vachement grand ici en vrai. Bon bah j'attends Edo. J'arrive, je suis sur la route, chef. Je prépare les missiles pour lui tirer dessus. Ah. C'est pas très gentil pour Edo ça. Ça c'est vrai, c'est pas très gentil. Bah non, c'est juste pour dire bonjour, tu vois. Je suis là. On peut plus faire des poignées de main, donc. Ça lag. Il a bise, donc. Et où? C'est où? Là. Oh. Ouah, ah! Delta plane qui me fait. Là, je le vois. Ok, il n'y avait aucun spawner là-dedans. Moi, je te vois pas par contre. Juste en dessous du donjon? Non, je suis au-dessus. Mais t'es au-dessus ou au-dessus? Au-dessus. Là! Ah ouais, mais t'es invisible, c'est pour ça que je te vois pas. Ah! Je décore encore. Si je crache pas, j'espère pas cracher. Crache pas, hein! Crache pas le jeu, hein! Enfin, il crache pas, mais après il affiche un message tout le temps en boucle. Ah oui, contrôle I, c'est chiant ça. Je te vois toujours pas, faut que je décore Reco. Ah bah c'était à toi de décore Reco. Ok, on a fait le tour, on peut descendre. Ouais, je sais, j'avais parlé de ça.
DNG, mais le souci c'est quoi, j'arrive pas à gérer mon temps, le travail à côté, ma petite femme que j'aime, les aventuriers, Holycube. Bah, je te vois toujours pas, hein. C'est le jeu. Je suis là, je suis là. Ah non, je te vois pas. Tu me vois pas. Non. Bizarre. C'est oh le la jeu. Vache. Il est bugué. Ah bah. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Oh, ok. Je vois que tu t'es amusé. Ça fonctionne, hein. C'est vrai. C'est bien, c'est que ma pioche est violente en fait, donc s'il m'empêche de miner le spawner, je peux juste les taper à la pioche en fait. Oui. Pourquoi je peux pas... Du coup, tu les tues assez rapidement. Je casse les spawners. Comme ça, sera tranquille. Calmez-vous, les mobs invisibles là. Bon, j'éclaire, hein. Je skip tout le monde et j'éclaire. Ah bah du coup, ouais. Ça, c'est elles sont résistantes, hein, ces sorcières. Ah, il y a un spawner sous le coffre. Ok, j'ai un micro-magnet du coup maintenant. Mais je fais zéro dégâts aux araignées, quoi. Bon, ça va moins vite de les casser, mais... Pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant dans ce que je croise. Je résiste au poison, les sorcières, ça sert à rien. Oh, c'est trop bien d'explorer un donjon sans ML. Ça parle vraiment très mal, hein. C'est pas grave. De toute façon, t'as vu ça, ML, il prend même pas le plaisir de les faire, les donjons. Il les fait le plus vite possible, quoi. Il a aucun plaisir. J'aime bien speedrun. Voilà. Bah non, moi je suis là pour speedrunner, je suis pas là pour jouer, les gars. C'est fini, le temps du jeu. Maintenant, il faut fini se dépêcher. De jouer. On n'a pas le temps. Speed. Fini de jouer. It's only game. Afin de préserver le monde de la dévastation. Afin de préserver le monde du corps. On va éviter. De la bière. Du malware humain. Pas mal. Calmez-vous. Y'a pas de coffre piégé ici. Non, je crois pas. Là-dedans, je crois pas. Non, de toute façon, tu mines un bloc de dirt et t'es en bas. Hein. Y'a plus rien en bas. Il flotte dans les airs, le donjon, donc y'a rien de caché. Ah oui, comme ça. Mais c'est marrant, l'autre qu'on avait trouvé, tu vois, il était coupé, mais celui-là, il est juste généré, mais dans les airs, quoi. Bon, tu fais quoi, tu... Oh, j'ai le magnet qui fait n'importe quoi. Hein. Vas-y, tiens. Ah, t'es passé ici aussi. Y'en a une quantité de coffres là-dedans, c'est incroyable. Ouais, y'en a vraiment beaucoup. Oui. Par contre, je dépense des creepers. Chargé, je aussi, c'est pas mal. Des petits couloirs, c'est bizarre. Ouais, mais j'ai plus de torches. Ressemble un peu au donjon que j'avais fait dans Tropicraft, mais qui était sous l'eau avec que des guardians, j'ai l'impression. Ah, je sais pas ça. Il y ressemble, franchement. C'était le genre de même couloir et tout, avec beaucoup de coffres. Ça lag. Oui. On a plus beaucoup de stick, de leak. Oui. Ça lag beaucoup. Ah, ça plante même, non ? Vraiment beaucoup, oui. Oh la vache, qu'est-ce qui se passe? Ah, ah là, c'est bon, c'est en train de revenir. Ah oui. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Allez. Non, je veux pas des coal nuggets, je veux des torches. Ah, oh, j'ai pas les sticks dans ma main. Ah, c'est bon. Un creeper chargé, violet. Un dragon chargé, violet. Un creeper chargé, violet. C'est violent ça, hein. Là, c'était violet. Ah oui, ça fait une petite explosion. Sorcière, je vais vous tuer. Brûle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire sur cet étage-là? On a toujours pas trouvé l'étage du dessous, d'ailleurs. Du coup, les explosions ne sont pas désactivées sur les bâtiments dans la Twilight. Hein. C'est là. Ah bah non, parce que c'est parce qu'on claim les chunks hein, pour pas que ça explose. Ouais. C'est pratique ça aussi. Donc faut claim les chunks sur le donjon, tu vois. Aussi. Hein. On pourrait faire en vrai.
Est-ce que tout est exploré? Est-ce que tous les spawners sont... Ouais, ça me semble exploré. Ça doit être pas mal, hein, non? Ouais, donc, ça me semble exploré. On casse carrément les coffres, comme ça on sait quel coffre on a fait. Bon, je mets les torches, hein, comme ça on le voit direct. Et voilà, dernière étape. Magic powder. Pose les torches là, qu'est-ce qui t'arrive? Allez, on commence à casser les coffres de loot. Oh oui! Oh, des élytras, excellent. Oui, il y a souvent des élytras là-dedans. Or, je sais plus c'est quoi le nom du mode qui fait que les items tombent par terre. Merci la vessie de Sardoche pour ton deuxième mode de Magic Prime. What? Alors, j'ai plusieurs questions. Premièrement, pourquoi? Deuxièmement, comment? Et troisièmement, pourquoi? Je crois que le pourquoi réponse, est plus important que le comment. La réponse, je pense que ce sera parce que. La réponse, ce sera tout de suite après la pub. Realistic Drop, c'est ça, Shell. Et non, merci de me racheter pour le deuxième mois niveau 1. Merci beaucoup. Voilà. Le plus intéressant, c'est les stuff enchantés. Comme ça, on peut piquer les enchantements dessus, les mettre sur un autre stuff. Ouais, carrément. Ouais. Ça, par contre, c'est pas mal. Ce serait bien qu'on puisse faire ça en vanilla, même à un coup. Ouais, désenchanter les trucs. Ah, bah, ce serait royal. Hein. Pourrais-je éviter d'avoir du poison? Ah oui, mon truc d'antidote n'est plus bon. Bon bah voilà, c'est fait. Yes. Qu'est-ce qu'il y a fait? Qu'est-ce qu'il y a fait? Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a fait? Non, enfin, je veux dire, le donjon, c'est fait. Bah, il faut prendre les loots. Bah, c'était fait, moi aussi, ça. Mais t'as... Bah, après, je prends pas les trucs... Oui. Ouais, mais on sait pas qu'est-ce que t'as fait, du coup. Bah si, il y a des torches, là où j'ai fait. Ouais... Mais il y a des torches partout, vu qu'on a tout éclairé. Bah du coup, c'est looté. Ouais, mais si tu casses les coffres, au moins t'es sûr. Là, t'as aucun doute, tu vois, t'es en mode ok. Ouais, mais Ça va aussi vite, en plus de les casser avec une hache. Les os, ouais. Ok... Là, tu crois en avoir fait un et tu l'as pas fait. Et voilà, non, j'ai tout ouvert, et hein, voilà, là où j'ai torché. Voilà, t'as vu, tout est à faute. Ah, moi je casse tout, ah, je casse tout. Ah, je casse tout. Casse tout. Du coup, portable, t'as trouvé des trucs intéressants? Oui, j'ai tout rangé, genre des élytras, des trucs enchantés, des name tags. Comme des stars? Non. Des blocs de diamants, des blocs d'émeraude. Au final, ML, il nous a hypé sur ça. Bon, c'est sympa, hein, mais... Et faut en trouver, totem faut of undying. Faut en trouver d'autres. Normalement, en vérité, dans ces donjons-là, normalement, il y a des salles où il y a des spawners. Et, enfin, il y a des spawners partout, en général. Mais t'as surtout un coffre sous... Enfin, sur un spawner. Et généralement, le coffre qu'il y a sur un spawner, c'est le coffre où t'as... J'en ai vu. Bah, c'est le coffre où t'as le plus de gros loot dedans, en fait. Alors, check si tout est fait. Et du coup, j'ai pas de méga loot, machin, chouette chose à ouvrir devant ML. Ah, c'est dommage. No. ML, t'en as trouvé un? Non. J'en ai trouvé deux pour l'instant. Ah. Ça devrait aller alors. Oui. Mais je vais quand même envoyer un sondage sur mon chat pour savoir si je t'en donne un ou pas. Bah, tu m'as piqué le mien. Tiens. Tout le monde dira non. Ah oui, tu m'as piqué le mien. Aïe. Oh, what? J'ai trouvé des boots multi-jump 5. Ouh, ça par contre c'est violent. Je savais pas que c'était possible ça. Moi non plus. Et par contre, il y a les animaux de la Twilight dehors qui sont en mode... J'ai un Vigor 3 aussi, si quelqu'un veut plus de cœur. Il reste ces deux chests. Je te donne le Vigor 3, ML.
Le vigor 3? Qu'est-ce que le vigor 3? T'as pas? C'est un enchantement que tu mets sur le plastron. Et ça te donne un cœur par niveau de vigor. Donc c'est 3 cœurs en plus quoi. Ah ouais? Non, je savais pas, je l'ai pas ça. Écoutez, je peux pas tout savoir. On a pas oublié le coffre, hein, Edouard. Donc moi je dis, check. Il est cassé au moins, t'es sûr là. Ouais. Ah, Creeper. Bon, il s'est calmé. Final, ouais, c'était le plus intéressant pour moi, les enchantements sur certains des stuff, quoi. Dont ce multi-jump 5 que je vais m'empresser de désenchanter et mettre sur un autre truc. Ça va me botter. Alors, est-ce qu'on a d'autres zones de loot par ici? Non, on a que du blaze par là, ça nous intéresse pas. It's only blaze. La musique, c'est quoi? Offspring. Ah, c'est pas la musique des experts? Non. My bad. C'est-à-dire The Who. Et on re-range tout ça. Oh là, il y a tel... Mais bien, chers frères, nous sommes réunis en cette église de la Sainte Frite afin de prier la Sainte Frite. C'est logique. Logique. C'est logique. Notre frite qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre huile soit bien graisseuse, que votre dorure reflète la couleur du soleil. Donne-nous aujourd'hui notre amidon du jour et promets-nous un cornet bien rempli. J'ai une question. Comment je fais, vu que je suis coincé chez moi pendant 14 jours? Alors, T'as qu'à boire de la Corona? Oh, bah je vais faire une messe en télévision, là. Oh. Je vais faire une messe en télévision, là. Je cherche, hein. Sur Facebook Live. Ok. Oui. Bon alors, monsieur Sama, je vous envoie un Epic Loot Case. Oui. C'est envoyé, c'est dans le système. Mon chat m'a dit non, ne lui donne pas. Ton chat est vilain. Ne donne pas son dû. Comme vous pouvez le voir, je suis quelqu'un de bon et miséricordieux. Je vous l'ai donné. Merci Amal. Merci de m'avoir redonné ce qui m'appartient. Aïe. Bon, on va ouvrir qu'est-ce ça. Du coup. J'ai eu The Slacker. Épique. Legendary. Là, normalement, si je dis pas de bêtises, il y a quelque chose derrière ces montagnes. Ah, c'est une pelle. What? C'est une pelle qui... What? Non. Comment? Non, rien, allez-y. J'ai eu un multi-tool. Yeah. Normalement, il y a des espèces de grottes sous les collines. Dans la Twilight, si ça a pas changé. Si la colline est parfaitement ronde, oui. Oui, c'est cela. C'est ouais. Cela? Propre. Oui, ouais. C'est cela. Ouais, donc oui, j'ai eu un multi-tool là. Ça ressemble à une pelle, mais en fait, ça casse tout. Parfois. C'est marrant. Ça me rappelle le bon vieux temps de l'1.12 où tu pouvais juste avoir une pioche efficiency et juste casser tout ce que tu voulais, même le bois, l'Artabreak et tout. Moi, je viens d'avoir une pelle. Je crois que c'est une pelle, hein. C'est Chauvel. Et il a comme attitude d'avoir un area miner de 1 sur 1. Oui. C'est-à-dire qu'il peut casser un bloc de 1 sur 1. Il peut miner dans une zone de 1 sur 1. Exactement. Donc c'est un écrit. Bloc, quoi. C'est écrit. Mm. C'est sa seule attitude. What? Okay, c'est d'accord. Un peu nul. C'est normal du coup. Oui, basiquement, oui. C'est comme si je te disais que pour le prix d'un carton de lait, t'avais un carton de lait. Oh, c'est sympa, okay. Ça m'intéresse. Voilà. Moi, je serais capable de tomber dans la... Pour le prix de... Il y a des trucs qui sont sympas dans Megaloot, mais bon, Megaloot, pour le prix d'un rouleau de PQ, tu as un rouleau de PQ. Ah non, il n'y en a plus dans mon magasin, c'est fini. Hein. Et un coup de poing par une petite vieille dans ton estomac qui essaie de te le piquer.
Wait, what? Non, c'est mon PQ! Touche pas mon PQ! Pas touché! C'est mon PQ! Bon, voilà, hein. On va ranger ça, on va ranger ça. Bon, du coup, il faut que je me trouve maintenant un donjon dans la toilette. Ah, il faut que je m'ouvre aussi un chance cube. Non, t'y as pas droit. T'as déjà ouvert des trucs, ah bon toi. J'ai pas le droit. T'as déjà ouvert plein de trucs, toi. Bon, tu triches. J'ai pas le droit, alors. Je vais juste chercher un donjon dans la toilette, alors. Oui. J'en profite pour mettre des torches un peu partout dans notre base. ML, c'est le mec qui va au supermarché, il prend tout le PQ, quoi. Ah non, je prends tout le PQ seulement quand il y a de la promotion. Prends tout monsieur. Le PQ et il ouvre tous les PQ. Mais au final, il n'en utilise qu'un seul. Au final, j'en utilise pas du tout. Pardon. C'est ça le PA. Moi, je dis à la fin de la saison, quand tout est fini, on se give juste plein d'épiclodes et on s'amuse à les ouvrir en boucle. Juste voir un petit peu ce qu'on peut. Moi j'aurais dit ouvrir des champs de scum, des champs de scum au Venmine. Ça peut être rigolo. Ça peut être pas mal, mais on va tous mourir si ça fonctionne. Si on fait ça. On va tous mûrir. Merci Dragon Rouge pour avoir offert 5 subs. On peut faire des gros champs. Silver Moon, Lonel Lama, Dragon Steel, Toto Karma et Ocre. Bienvenue à vous 5. Oui, ah, excusez-moi, je lisais mon chat. Et effectivement, on peut faire les gros. Ouais. Oui, absolument. Ah. On peut les crafter. On peut s'acheter les petits. Et du coup, combiner 27 petits pour avoir un gros. Mais par contre, après, ce que tu peux faire, et ça, ce sera quand même plus RP si on veut, c'est que tu as des Chance Cube Dispenser que tu te gives. Tu t'en gives juste un, enfin, tu t'en gives 3 en gros. Et tu les set up pour pouvoir avoir un Chance Cube, un Chance Icosahedron et un Giant Chance Cube. Et tu as juste à cliquer dessus et tu te le récupères en fin de compte. C'est utilisé par la plupart des streamers quand ils récupèrent des subs et tout. Ils utilisent ce genre de dispenser pour interagir. Bon, on va voir ce que ça fait, multi-jump 5. Il va sauter 5 fois. Bah oui, c'est ça en fait. 3, 4, 5. Nice. Je vais sauter 5 fois, les gars. Trop bien. Ika, il préfère les crafter. Ah oui, oui, HL, c'est mieux. Quand on peut les crafter, là dans ce mode pack, il faut qu'on les achète. C'est trop bien. Oh. Ouais, des loot intéressants là. Alors. J'en ai retrouvé un au fait et j'ai des têtes de Wither en plus, tout ça. Il est bon. On a retrouvé un autre ? Nice. Ah ouais. Même deux côte à côte un peu. Et bonsoir à ceux qui arrivent. Ouh, Dragon Rouge. Avec les 3300 bits, merci beaucoup. 3300. Petit cadeau pour mon anniversaire. Eh ben écoute, merci, bon anniversaire. Ce serait plus à moi de t'offrir des cadeaux que à toi de m'offrir des bits, mais merci. Tiens, je t'offre un cadeau parce que pour c'est mon anniversaire. Mon anniversaire, ML, je t'offre quelque chose. Merci beaucoup, Dragon Rouge, c'est très gentil. Pose ton XP, non, c'est pas grave, t'inquiète. D'ailleurs, par contre, ce que je peux faire, c'est enlever ça. Tiens, ML, je t'ai mis un livre Vigor 3 dans le. Ah, merci, c'est gentil. D'abord, moi, je cherche un donjon dans la toilette. Faudrait que je désenchante entièrement mon épée et que je la refasse. Il faudrait que je fasse une Dragon Steel et que je la. Oui. Je fasse avec la Reforge là, jusqu'à quand qu'elle soit pétée. Légendaire, ouais. Yep. Et là, j'aurai la meilleure épée. Normalement, non. Oui. Techniquement, ouais, tu peux l'avoir comme ça la meilleure épée. Je crois que avec j'avais l'épée actuellement de base a des bons dégâts. C'est... Ouais, on a 25 Fire Dragon Blood si tu veux avoir les lingots. Ou alors t'as du Ice Dragon Steel, il y en a 45. Oh. Ah, je veux du Dragon Steel Ice moi vu que j'ai un Ice. Ah bah du coup, tu peux te faire ton épée là, c'est bon. Il y a tout ce qu'il faut. Ça... Comme ça, je gèle les entités, c'est pour ça plus fun que de les enflammer. Quand les enflammes, ils t'enflamment, toi, après, c'est chiant. Soit. C'est la dernière version du mode pack crack de mode 5, si tu veux y jouer. Hein.
En général, les dernières versions de modpack, c'est celle qu'il faut jouer. C'est celle où tous les bugs sont corrigés. Pas de danger. Il y a encore des bugs, quoi, mais on va juste les ignorer. Ah non, le je parlais que de. Les amrénures disparaissent, réapparaissent. Ah oui, oui. Mais bon. Bah là, je parlais de Ragnamod 5, mais oui, effectivement, sur ce modpack. Ah, Ragnamod 5 Ouais, il y a encore des bugs à corriger sur ce modpack. Ou mais Ragnarok 5, c'est un excellent modpack parfaitement fait par les gens qui l'ont fait, quoi. Absolument. Ah, il essaye de se rattraper là. Connais. Non, c'est la vérité. Non. Bah, maintenant que je lui ai donné son méga loot, il n'y a plus d'animosité. Maintenant, tout va bien. Hein. Oui. Voilà. Ah ouais. Il n'y a plus de rancunierie. Je suis pas le même quand j'ai pas mangé mon méga loot, tu vois. Impeccable, on a trouvé le donjon. Puis comme Auré a dit, casser tous les coffres. C'est Auré qui l'a dit. Reforge. Sharp, plus 10 d'attaque damage. Est-ce que je garde? Une legendary a quoi comme stat? Elle a beaucoup de stats, elle en a 4 ou 5 je crois des stats. Ok, donc voilà, encore. Trusted, non. Long, plus... 0,5 de reach, ok. Long like my... Tralala. My tralala. My ding ding dong. La 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 la. Là j'ai deux trucs. Plus 20 d'attaque speed et plus 0,5 de reach. Est-ce que ça vaut la peine? Je ne sais pas. Normalement le dernier qu'on peut avoir c'est Legendary. Legendary. Non c'est la titan, non? Non c'est Legendary. Plus de speed et damage, keen. C'est Legendary. Ah ouais, je savais. Mmh. C'est ce que je dis, hein. C'était un test encore. Eh, c'est qu'est-ce que je dis, hein. C'est qu'est-ce que t'as dit. Qu'est-ce que je dis, hein. Ah ouais, en effet. Je vois un petit peu tout ce qui se fait, on va dire. Ouais, un spawner à Guardian. Ah, on le veut ou pas? Un spawner à Guardian? Oh ouais. Non, on en a plein. Ça. Ouais, non, je pense pas que ce soit très intéressant. Mais tu te calmes, toi, par contre. Oh, oh, là j'ai le pire, worthless. Ah oui, là moins oui. Moins 10% de tout, moins d'attaque reach et tout. C'est merdique. Ah, mais c'était que dans l'eau ce donjon. C'est un donjon dans l'eau. C'est un donjon comme on a fait, Auré, sauf que c'est un full dans l'eau. Ah oui, mais c'est ça que j'ai dit, il y en a de Guardian. Plus 10 d'attaque speed, plus ouais, 10 d'attaque le damage. Le main fatigue et tout. Ouais, non, je vais pas faire ça du coup. Je vais rester à ça parce que j'arrive pas à avoir le Legendary là. Je sais pas si je l'aurai vraiment. J'ai utilisé pratiquement tout le Dragon Steel et j'ai pas eu de Legendary. Merde. Parce que là, mon épée continuer. Elle est. Alors attends, je vais regarder mon épée. Faudra que je tue. Un petit peu, mais j'ose pas continuer, tu vois. Bon, après, faut juste qu'on farme les dragons quoi. Oh, allez, fuck it, ouais, je continue, j'ai déjà une épée. Parce que là, actuellement mon épée elle est en. Ah, elle est en épée, j'ai pas réussi à la mettre en légende. Oh fuck, j'ai fini sur du chipped. Ah merde! Ça par contre bon, c'est bon. De toute façon, voilà. Allez-y, magnet, récupère tout. On va utiliser notre loot gauge. On devra se faire un stream spécial farm de trucs. Farm de blood, tout ça. Ouais, l'excavate, c'est la vie, hein. On enlève tout ça. Bon, c'est déjà pas mal pour un épisode, ça, non? Absolument, oui. Je suis d'accord. C'est l'épisode du donjon et du speedrun. Moi, je suis tout d'accord avec ce qu'il a dit. Son égoïsme. Moi? Non, je t'ai donné un épique. Non, tu m'as redonné ce que je m'appartenais. Moi je veux que Vendic regarde au montage combien j'en ai eu d'épiques. Je suis sûr que j'en ai eu deux. Du coup moi je vais re-regarder sur mon stream combien j'en ai eu. J'en ai eu des en or aussi donc ça... Les en or je suis d'accord, je les ai ouverts. Là c'est totalement ma faute. Ah ouais. Le épique je suis certain d'en avoir eu un. Bah je suis certain d'en avoir eu un aussi moi. Oui. Bah t'en as ouvert que deux alors. Non j'en ai ouvert qu'un, c'est ça le problème. C'est qu'il y en avait qu'un dans le réseau de... Ouais oui. C'est bizarre ça. Il y en aurait deux, oui, je te dirais, ouais, j'en ai ouvert deux, mais là, non, j'en ai ouvert qu'un, en fait. Le SLT. J'ai regardé mon bag of holding.
un petit peu. De ouais. Retour à Jbarak. Totalement. Dis-moi, Emel, il y a des choses à savoir dans la cuisine pour aller plus vite, peut-être, parce que j'ai l'impression que je galérais un peu, moi, à trouver les recettes, les machins, pour les appliquer. Est-ce qu'il faut toujours aller chercher les ingrédients un par un dans le plat? Ah non, non, en fait, t'as juste une table. T'as la table, justement, et si tu as les ingrédients dans le frigo ou tout ce qui est connecté à ta cuisine, t'es censé pouvoir tout crafter ce que la table te dit. Que la table me dit. Ouais, quand tu rentres dans la table, tu vois tous les crafts que tu peux faire, en fait. Je vois les trucs que je peux pas faire aussi, genre où il faut des amandes, des machins. Ah, normalement, tu peux les faire. Là, là. Non, je l'ai pas là. Parce que on n'a pas remis le livre, en fin de compte. Parce que tu peux mettre un livre pour voir tous les crafts sans que tu puisses crafter. Mais on l'a pas remis, ce qui fait que normalement... Ah bah, moi je l'ai remis sans faire exprès. Ah, bah, c'est pour ça, du coup. Et comment on le retire? Je peux même pas cliquer droit. Je pense que tu fais... Si, clic droit, mais pile poil sur le bouquin, quoi. Ou shift clic droit, peut-être. Ouais, shift clic droit, bien joué. Merci, Gulderdorf. Qui peut faire l'autre? Merci Gulderdorf pour merci ton deuxième au niveau 2. Merci à tous cet épisode des aventuriers. Merci. N'hésitez pas à laisser votre avis ce soir en pouce bleu, pouce rouge. Et abonnez-vous à la chaîne Texaba pour plus de testostérone. Alors moi j'ai envie de dire que les gens sont venus à la chaîne, n'hésitez pas à nous envoyer du PQ. Ouais, du PQ, oui c'est vrai parce que toutes les mamies du coin ont tout pris. Ouais. Tout. Bon. Plus de PQ. Ah, j'ai oublié d'annoncer. Vindict 4, note d'édition à rajouter en début d'épisode. Et ML ? Oui. T'as combien de subs ? Alors attendez, je vais ouvrir ma page. On va refresh la page. On prend la calculatrice parce que je suis mauvais en calcul mental. Tu cuisines, Edo ? Ouais, tiens. Tu fais quoi ? Tu es plein ? 365. Oh, 365 classe. Ce soir, en tout cas. ML a son objectif. Du coup, on va continuer de surveiller, et dans les futurs épisodes, si on se rapproche un peu trop des 350, ben voilà. Merci à toi, Dragon Rouge, pour avoir offert deux subs. Si vous comptez soutenir quoi qui arrive à ML, je rappelle Toshinori. Que s'il garde 350 subs pendant 3 mois d'affilée, il aura le meilleur partenariat Twitch à vie. Et pour le lancement de l'équipe, ce serait cool. Voilà. Absolument. Vraiment. À lui offrir un sub pendant 3 mois à coup sûr, ben n'hésitez pas à aller le prendre même dès maintenant pour être sûr qu'il reste au-dessus de 350. Voilà. Merci à tous d'ailleurs, du coup. Un gros jeu. On a fait ça pour ML et pour Roi. Bon, il faut finir avec ML et puis on pourra se réjouir de la victoire. Mais bon. Yes. Et je saurais me montrer reconnaissant. Ça là-dessus, y a pas de problème. Eh oui. Zut. Mais toi. Hein? Hein? Pas non. Comme ça non. Je fais une blague de mauvais goût. Aïe, what? Oui, il y a un lag. Hein. Ah oui, ok, mais j'ai pris des dégâts 3 ans après, j'étais en mode, what? Qu'est-ce qui me tape? Donc voilà, c'était à réinsérer en début d'épisode. Et du coup, l'épisode est terminé. Au revoir. Ah, au fait, bisous. Bienvenue pour un nouvel épisode. Non, ah oui. Ah, ah trop tard. Ah, trop tard. On fait du bruit toi le dragon. Ah oui, ils ont une queue différente ceux-là, ils ont une queue un peu comme un poisson, j'ai l'impression. Juste le remarquer. Ouais, bah c'est pas le mien qui fait du bruit hein. Alors là, vous voyez, je suis tombé sur un coffre à loot avec deux blocs de diamant, deux blocs d'émeraude, une tête de wither, une épée avec silk touch et looting en même temps, c'est beau. Ah, what? Wait. Ah, et puis That's illegal. Une avec une table d'enchantement aussi dedans. Voilà. Ma foi. C'est quelque chose. Merci Bad Dream pour le Twitch Prime. Merci beaucoup. Twitch Prime. Par contre, cette hache, elle est vraiment trop bien. Bon bah voilà. Impeccable. Je me serais bien investi un peu dans la cocina, mais je crois qu'il nous manque pas mal d'ingrédients en vrai. Ouais, on va essayer de te régler ce souci là. Faut juste qu'on fasse un champ.
falloir que je me fasse la main un peu comme sur la forge aussi, que je comprenne bien comment ça marche. Yes. Du coup, moi j'ai une idée pour le prochain épisode qu'on pourrait faire. Yes. On pourrait explorer une nouvelle dimension qu'on ne connaît pas. Oh. Genre laquelle? Oh. Atum. Ou Atum. Atum. C'est une dimension Atum. Entièrement dans le désert en fait. Mais pas un autre désert, celui qu'on connaît de Minecraft. Hein. Ouh, un autre désert beaucoup plus classe. My body is ready. Beaucoup, beaucoup plus classe. Avec des ennemis évidemment qu'on ne connaît pas, des pyramides, des énigmes. Des trucs cool quoi. Trucs classe et stylé quoi. Classe et stylé en même temps, oui. Des trucs classelés ou stylas. Stylas. Stylé. Ou classé classe. Stylas. Stylas. Terminé. C'est Stylas, là, don't you can't. Moi j'ai une blague à raconter. Mm-hmm. C'est un homme, il rentre dans un bar et la porte est fermée parce que tous les bars sont fermés. Ah sympa. Mais pourquoi ils sont fermés? Comment? Mais pourquoi ils sont fermés, oui? À cause du malware humain. Ah. Voilà. Moi je vais pas avoir trop le temps d'enchaîner un autre épisode les copains. Non t'inquiète. Il y a ma femme qui est à la maison. Oh l'autre quoi, il préfère passer du temps avec la personne. L'autre il a une vie quoi. La vie, plutôt de passer du temps à jouer à Minecraft avec ses amis quoi. L'autre il a une vie. Ouais. Incroyable. Ouais quoi. Ouais. Si tu restes avec nous devant le PC, tu risques rien au niveau du malware. Hein. Ah. Si je reste avec ma femme devant la télé, je risque rien non plus au niveau du malware humain. Ah, peut-être qu'elle l'a, hein, avec le compte infecté. Oh bah, je pense que je l'ai attrapé aussi dans ce cas-là. C'est vrai. Ça se peut. C'est même certain. Ah. Ah bah, si vous êtes déjà foutu à ce niveau-là. Bon, en tout cas, j'ai pu récupérer quelques loot ici qui étaient absolument pétés. Et j'en ai récupéré encore. Oh putain, je tout ce que j'ai récupéré. T'as eu du PQ? Non, j'ai eu beaucoup d'élytra, j'ai eu beaucoup de totems, beaucoup de blocs de diamants et d'émeraudes. Un truc absolument infâme. Moi j'ai hâte de voir les chansons de rappeurs aux États-Unis avec juste le rappeur. Au lieu d'être entouré de bitches avec de l'argent, il est juste entouré de bitches avec des rouleaux de PQ. Merci Camille. Ouais, puis, pour il fait le truc des billets là, mais avec du papier toilette. Oui, avec du make it rain et puis il fait. Quelle horreur. La scène. Tous les coffres. Trop bien le multi-jump 5. Ah bah ça doit aider, ouais, le multi-jump 5. Ok, j'ai pu récupérer tous les coffres là-dedans. Pas de trouver un truc multi-jump 5? Non, bon, tu me diras, j'ai pas regardé, hein. J'ai tout pris, j'ai tout rangé. Ouais, regardons, tiens. Parce que je pense que oui, tu peux pas. Tu peux pas l'avoir normalement en fait. Normalement non, je pense pas que tu puisses l'avoir. Hein. Ouais, donc c'est du... Et merci The Destruction. Un peu comme ce knockback 10 quoi. Pour ton abonnement, bienvenue. Ou ce protection 5 beaucoup. Que j'ai sur mon plastron. J'avoue, la prochaine fois, moi je m'occuperai de ça. Je ferai un moulin, là où on fera le champ, pour le style. Ouh. Pourquoi pas. Et parce que le style, c'est important. Le mode lent a été activé. J'ai cliqué sur le bouton de mon stream deck par hasard. Multi-jump. Non, il faut qu'on. Il y a un multi-jump 4. Ah. Pas de 5. Chiant les élytras quand ça veut pas marcher correctement. Tu servais à faire ça, ouais. C'est là.
Merci Alps pour le 13ème au niveau 1. Merci à toi. Oh là 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 là, c'est tellement galère d'utiliser les ultra quand jump pedo, toi. Ouais, ouais, j'utilise. Ah, ok, c'est bon. Mais c'est le 3, quoi. J'en ai un niveau 4 pour toi, alors. Ah bah j'ai... Moi, après, j'ai les boots, tu sais, qui augmentent au fur et à mesure qu'elles ont l'XP. Level 4. Là. Serious Beauty. Les Serious Beauty. Ah, tu veux dire un bouquin? Yes. Un bouquin, ah, yes. Tu le mets sur tes boots, quoi. Ah bah oui, je veux bien. Tu l'as mis dans le... Sinon, tu le jettes devant toi, je suis là. Bonjour. Regarde juste un truc. Bien visé. Bah non, en réalité, on peut en fabriquer du 5, j'ai l'impression, dans le club. Ah ouais? Attends, je teste. On va voir. Après, on a Bibliocraft pour dupliquer les enchantements, si on veut. Hein. Merci. Si on a vraiment besoin. Ouais, mais il en a pas besoin. Non. Et si j'ai pu le faire avec ça, je peux le faire avec les autres. Attends, je t'en fais un. Nice. Ragnamod 2, Flopuxite. Multijump 3. Il en faudra 4 du coup. Et oui, Lisan. Absolument. Lag. Moi je lag pas puisque je suis arrivé à la maison. Lag. Moi je suis à la maison. Ouais, en fait, je sais pas. Et merci, pas bureau plein pour le deuxième niveau. Cette impression qu'on peut pas faire du niveau 5 parce qu'il suffit juste de fusionner les bouquins, quoi. C'est bon. Avec l'enclume, quoi. Tiens, Mel. Merci, Goldender, pour le sub. Il est parti. Bon. Voilà. J'ai donné à Mel, mais il y a le truc qui l'a attrapé. Je vais couper la ferme parce que je crois que c'est la ferme qui nous fait laguer comme ouais. Ça. Ouais. Yes. Du coup, merci pour ton message, pas bureau plainte. Et AHL Ragna 2, tu peux pas vraiment l'avoir l'original. Hein. C'est le Reborn. Du coup, c'était. Jump Boost, c'est ça? Multi Jump 5. Ouf. Ouf. Mettons-le sur les boots. Bim. Bim. C'est fait. Voilà. On va reprendre un temps qui lag encore hein, quand même. Ouais, bah là j'ai là, coupé, ça vient hein. Pas de chez moi pour. Oh, ça le sort de temps en temps. Quoi que non, ça va. Et merci des instructions pour les 500 bits. Pour mon premier sub, voilà un cadeau. Bah merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Oh, le fait mal ce truc. J'aime bien à chaque fois qu'il veut tester une arme, il teste soit sur toi, soit sur moi, Edo. Hein. Bah, ah oui. Bah oui hein. Je vide mon XP monsieur, aïe. Vous m'avez tapé avec votre poing. Non je tape avec ma slacker. C'est le truc multi-tool. Il est pas mal. Ah. Hein. Il n'y a pas beaucoup de durabilité en vrai. Il pourrait être mieux. Il y a 1200. C'est plutôt pathétique. Eh les gars. Je vais faire rentrer les boules d'XP où Edo? J'ai une question là. Par où ça rentre? Ouais. Tu te calmes avec ta deux step. De là où je suis, j'ai l'impression de... Alors, excuse-moi, Edo, hein, mais de te pisser dessus, en fait. C'est parce agréable. Je me vide de mon XP. Ça te dit une petite golden shower. C'est rigolo, mais c'est sucré. Ah. C'est une golden shower. Je suis en train de me vider de mon XP. Sucré, tu c'est que... Si c'est sucré, c'est que ML a des problèmes de diabète. Oui. Ah oui, là, on en a de l'XP. Hein. Si on veut augmenter nos stats, on peut y aller. Hein. Là, je me mets mêlé damage à fond. Hop, voilà. Je suis mêlé d'amage à fond là. On te voit, Auré. Aïe! Aïe! Pas si mal, hein. Non, mais c'est juste que j'ai une très bonne armure et tout, donc. Ouais. Faut pas tester sur moi en fait. Oh, l'autre, il répare sa matoc. Ah, la super il matoc. Il est complètement matoc, le mec. Ouais, il est toc-toc, hein. Il est toqué. Hein. Ah, sa durabilité est over 9000! Oui, 9001 exactement. Et justement, elle est en légendary la mienne. La matoc. Wow, c'est pour ça que je peux creuser aussi vite. Merci Dragon Rouge pour les 500 bits aussi. Mais elle est faite avec quoi la matoc?
C'est fait avec deux obsidiennes, un diamant et du quartz. Du coup, j'ai utilisé de l'obsidienne pour le monter. Voilà, c'est ça. Du coup, tu peux le mettre en legendary parce que on a. Oui, j'ai pu le mettre facilement en legendary, ouais. Yes. Je vais me faire une matoc, moi. Ça va, ML? Bah là, je remplis le tank, hein. Y'a pas de problème, hein. Le antimatter évapator. Évapador. Ça enlève l'eau. Antimatter. Évaporateur. Mode water vaporise nearby liquid. Ouais, apparemment, c'est ça, ouais. Oh. Oh, ça a l'air stylé en vrai, ce truc là. Bah oui. Je connaissais pas. Obsidian? Ah, t'as pris toute l'obsidian. 32. C'est vrai que je pourrais le mettre sur le toit, absolument. Ouais, il dort. Tu améliores le speed, hein, du coup. Legendary. Ça se voit pas, ah ouais. Plus, c'est nickel. Plus 10 d'XP, d'attack speed, plus 15, plus... Ok, c'est plutôt pas mal. Je teste. J'ai rien senti. Ouais, du coup, j'ai du speed 2 permanent. Ah, attendez, vu qu'on a du sang de dragon, j'aimerais bien faire... Où t'as du speed 2 permanent? Moi aussi, j'ai du speed 2. Des lingots de feu, là. Parce que c'est du Fire Dragon Steel et on en a pas, donc là je vais juste avoir besoin d'Iron. Oh, on a Speed 2 là. Je ne sais pas. Toi aussi? Moi je l'ai toujours Speed 2. Enfin, ah. Speed 2, non, j'ai que Speed moi. J'ai Ast 2 par contre. Speed 2, Night Vision, Fire Resistance là. En permanent. Ouais, c'est bizarre, ça a l'air un peu bugué. Après, qu'est-ce qui n'est pas bugué, hein? Moi je pensais que c'était parce que je venais d'améliorer le Speed dans le Skillbook. C'est vrai que tout est un peu bugué quand même. Mais au fond de nous, qu'est-ce qu'un bug? Je ne sais pas. Allez, boss dragon. Bon, il regarde pas vraiment la forge, mais il bosse. Lequel? Dragon de feu. Tu fais un outil de feu? Je vais essayer de me faire l'épée. Est-ce qu'il le fait avec ses fesses là? Je veux pas le savoir. Il a mangé mexicain. T'as déjà essayé le stock de Dragon Steel qu'on avait dans... Ah mais on en a pas, hein. On en a pas? Non. Oh. Bizarre. Il y en a plot du tout, pas du tout, ah, du si, tout. Si. Non, j'ai eu la Matoc Legendary, c'est pas mal. Je me dirais, il y a une belle... Peut-être me servir à celle-ci. Des outils entièrement en fire. Multi-jump 5, ouais, c'est sympa, hein. Ça fait plaisir. On va se faire l'épée du coup, hein. Ça lag un peu. Un petit peu. Non. Un peu. De ton imagination. A plus tard, Bopilou. Ah pareil, je vais pas tarder les enfants. L'autre. Un bourguignon à manger, moyé. Tranquille quoi. Draconique évolution. J'irai chercher les lingots après. Mais t'as vu ML là, le speed que j'ai? Bah ouais. Je crois que c'est quand même dû au skillbook, hein. Potentiellement ouais, le skillbook peut vous le donner, ça. Ah. Hein. Oui, ça dépend des skills. Oui, si tu prends des skills, oui. Je suis en 10 sur 10 là en speed. Ah bah voilà. Oui, c'est ça alors, ouais. Ne cherche pas plus loin, c'est ça mon ami. C'est vrai qu'il faudrait que j'augmente mes skills moi aussi. C'est stylé. Oh. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est, ce que tu dis. Les enfants. Alors là, ce qui va être compliqué, c'est de retirer les enchantements qu'on a là-dessus. Ou alors j'essaie de les retrouver là-dedans. D'abord. Sur ton épée? Ouais, parce que mon épée, je peux pas la réparer. Si je retire les enchantements dessus. Mais mending? Si, il y a mending, mais il est en première position, évidemment. Ah. Donc c'est le premier que je vais enlever. Et si tu le remets par-dessus, il va se mettre à la fin. Si, ouais, si je peux le remettre par-dessus, ouais, il va se remettre à la fin. Ah, ça fait... Ouais, en gros, ça fait comme si j'étais en timelapse, mais en temps réel. On peut faire croire que je suis en timelapse aux gens, en marchant. Oui, enfin, en accéléré plutôt. Ok. Le mec, il fait des timelapses en marchant.
Alors moi il me faut... Qu'est-ce que je voulais? 5. Qu'est-ce que voilà, je voulais, ML? Je ne sais pas. Je voulais faire quelque chose. Ah oui, le skill book. Allez, répare l'épée là, comme ça j'enlève les autres enchantements dessus. Ah non, t'as mis l'XP drain est encore plus haut. Ouais, je l'ai mis dehors. Au-dessus du toit. Allez, ML. Bon, pour la prochaine fois, on se refera un dragon, ML. Ouais, mais dommage quoi. De quoi donc? Comment ça? Un dragon. Mais qu'est-ce que quoi? Je disais la prochaine fois, du coup, je me referai un dragon quoi. Vu que le mien a disparu. Oui. Ah oui, oui, le dragon, oui. Oui. Et du coup, non, je vais pas m'amuser à faire les copies des bouquins. Hop, je peux le ranger ça. Et je vais reprendre mon armure complète. Et là, on va devoir lui mettre les enchantements. Donc, on va commencer par Unbreaking. Sur ce, moi, je vais vous laisser là, les enfants. Très bien, monsieur. Tac. La prochaine fois, un peu de construction, du coup, pour les champs, si on fait... Ou l'autre dimension, c'est ça qu'on avait dit. Ouais, l'autre dimension, ça peut se faire rapidement, c'est sympa. Yep. Et si vous voulez vous organiser un autre live dans la semaine, moi, je suis chaud, je suis en vacances, hein, donc... Avec plaisir. On pourra se reprendre notre avance. Yes. On se redira ça sur Discord, mais de toute façon, moi, je suis en vacances, donc il n'y a pas trop de problèmes. Très bien. Yes. Bah, profite, Edo. Yes, ça va faire du bien, là. Ça va me reposer. De rester coincé chez toi. Ouais, bah, ouais, je vais profiter de ça, hein. J'ai profité de ça. Bon, après, on n'est pas enfermé chez soi. On peut faire un tour en forêt, on peut tout ça, quoi. Absolument. Faut éviter les... Sur les arbres. Faut éviter les gens. Faut éviter les foules. Ouais, faut éviter les gens. Et moi, ça me va très bien d'éviter les gens. Ce genre de choses. Ouais. Ouais, tout pareil. C'est un mec en Islande avec aucun voisin à moins de 5 km qui est en mode... Ok. Gros bisous, je vous envoie chez ML, les amis. Très bien. Bonne soirée, gros bisous. Bonne soirée, monsieur. Mais j'ai de trucs là. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu faire un looting 4, c'est pas bête, ça. Ah ouais. J'ai pas pensé. Est-ce qu'on peut? On a un looting 3 en bouquin de quark là-dedans? Non. Non. Est-ce qu'on peut faire ça et ça? Ok, mais du coup, est-ce qu'on peut faire ça et ça? Sprint. Je vais me mettre un looting 4 du coup. Le mec. Wait, what? Appelling? Appelling? Est-ce qu'il l'ajoute appelling? What? Appelling. Ah fuck, ça l'a compté ou pas? Oui, ça l'a compté, merci. Ok. J'ai mis le G en minuscule. Ah! Ça a marché, bon. Apparemment. Les gens changent chez moi. Wow! Yes. Et Max Mine qui renvoie 20 subs. Il est fou. 20 subs. Max Mine, okay, merci beaucoup. Encore une fois. Deuxième fois ce soir qu'il envoie 20 subs. Ça a 50 au total en 2 jours. Tout va bien. Donc t'as trouvé un truc looting 4. Non, en fait, okay. J'ai trouvé un looting 3. Mais le looting. Pourquoi looting... l'XP sort hyper vite là? Ça doit être le lag. Allez, gros bisous, bonne soirée. Yes, ciao, ciao. Alors du coup, Luna Raver, Ten Binter, Tacos, Menon, Warner, Menon, Dark Demon, Poison, Briorbi, Dark Solo, Anonyme, Mathieu avec un L. Ouais, y a une grenouille dans le truc qui se fait tuer. Tu l'as. Ouais, elle se fait tuer toute seule. Hein. Dylan du Minecraft. Athlétique, t'as fait quoi? De quoi? Il y a un truc athlétique. Peut-être que c'est plus. T'es peut-être plus agile sur les jumps, je sais pas. Jade. Ouais, ça donne un effet de speed. Or la bite. Pratiquement. C'est bien ça. Or la bite, peut-être, c'est pas, j'ai pas compris le nom du pseudo. Monsieur Titus. Demilish, pardon. The Gros Gros Overlord. Cafré des Nico, bienvenue à vous 20 du coup.
Donc Max Mine, encore une fois, gros GG à toi, merci beaucoup. Ah non, pour le coup, ça va pas aider à avoir les 350 vrais subs, puisqu'il faut que ce soit des vrais subs, mais ça peut peut-être donner une opportunité à ces gens-là, justement, de renouveler le sub renouveler derrière. Renouveler leur sub. Oui. S'ils l'aiment. Absolument. Alors. Il y a tellement de noms dans le chat. Il y a des trucs pour augmenter l'efficacité à laquelle tu mines des blocs, donc je me demande s'il n'y aurait pas moyen de s'en sortir sans le haste, tu vois. Ah, c'est possible. Et bonsoir, mon avivi. Ah, et Dragon Rouge, j'avais pas vu. Qui arrive et qui offre 5 subs en plus. Donc anonyme, hyper speed game. C'est ce qu'on a fait ce soir, d'ailleurs. Le mec. Sifil, Blaze et Monsieur Pingouin. Bienvenue à vous 5 et un gros merci encore une fois à Dragon Rouge. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait un sub qui était tombé juste derrière. Ah non, il était passé avant celui-ci. Ah bah écoutez, merci, merci en tout cas. Pour avoir offert autant de subs. Ce soir, il y a eu combien de subs d'offert? C'est n'importe quoi ça. Combien il y en a eu? Est-ce que je peux le voir? Oh, la page est trop grande. Il y en a eu beaucoup trop ce soir. En tout cas, merci beaucoup. Je peux faire mon full skill ouais, avec mon bouquin, mais après je sais pas s'il y a des choses intéressantes à remonter dans le bouquin. Ah non, c'est différent. Parce que j'ai monté le random critique, le melee damage, l'iron skin, on a le shield mais on n'a pas de shield. On peut améliorer notre puissance avec notre arc. Hein. Oh, Balking avec les 3000, non même pas les 3000, les 8000 bits. Balking, merci à toi. Nom de nom. C'était grand malade. Ouais, c'est Noël, ouais. Mais Noël, c'était il y a longtemps. Et SpireTech. Ou SpireTech, merci pour ton Twitch Prime, bienvenue. En tout cas, Belking, encore une fois, gros GG, merci à toi. Ouais, je l'utilise en DDSS l'arc, mais pas ici. Par contre, ouais, j'ai pu voir qu'on me disait Sharpness peut-être 6. Mais j'ai Sharpness 10 déjà. Donc j'en ai pas besoin. Par contre, si je remets un Unbreak. Unbreaking. T'as regardé. Il y a des Unbreaking ici. Oh, ça lag. Level up reloaded. C'est ça, oui. Y'a pas de description de ce que ça augmente, les autres trucs. Non, c'est dommage, tout est pas très bien expliqué. Hein. On peut augmenter l'Unbreaking là-dessus. On peut expliquer, oui. Ah, si. Alors, athlétique, voilà, c'est ça que j'ai. Ah, chaque 5 points réduit les dégâts de chute. Et ça augmente aussi ton speed encore. Ok. Alors, Max Mine, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Du coup, merci pour les 10400 bits et les 100 bits en plus derrière. Merci beaucoup. Environ 70-72 resubs soir. Mais ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Fortoguin, merci pour les 300 bits. Bonjour la team. Ça fait plaisir de vous voir en live. Pour une fois, continuez comme ça. On vous aime. Merci à toi. C'est très gentil. Ouais, ce soir, le chat est un peu fou. Hein. Et Chips Fabrica pour les 123 bits. Et 1, 2, 3. Merci à toi. Et Cribs pour les 500 bits. Là, le vert, il en peut plus. Hein. Le vert, il en peut plus, là. Pour les bits, j'ai un vert interactif avec les bits. Ah oui. Ouais, il pleut littéralement des bits, là. Merci, en tout cas. 2ML, 1 cup. Et Balking qui renvoie la sauce, c'est ça? Bah oui, Balking, il renvoie la sauce. C'est dégueu. Avec 1500 bits. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Merci beaucoup, Balking. Faites toi-même. Comment? Être toi-même. Ah ouais, non, mais là... Il faut une pinte. Ouais, non, là, il faut pas une pinte. Là, il faut un silo, là. Là, il faut un silo, maintenant. Et Dark Vlogs, merci à toi pour le sub niveau 1. Merci beaucoup. Du coup, est-ce que j'ai bien réussi à faire un drama avec les pics loot machin? Oui, ils y ont tous cru. Nice.
Et du coup, il voulait pas que je te donne les épiques. Mais du coup, faudra que, quand même que je re-regarde parce que il me semblait en avoir chopé un. Et que je l'ai rangé. Mais du coup, il n'y en avait qu'un seul. Moi aussi, j'en ai chopé un, je l'ai rangé, ça c'est sûr. C'est bizarre. Et je suis full athlétique. Je ne sais pas ce que ça fait, mais ça a l'air cool. Merci Ganem pour les bits. Et Pepperman pour les 100 bits, merci. Et du coup, on est au niveau 5 là, du train de la hype. Et j'ai un truc à vous dire au niveau du train de la hype d'ailleurs. C'est que par rapport au train de la hype qu'on a eu au tout début quand ça a commencé, j'ai augmenté la difficulté du train de la hype parce qu'on peut augmenter la difficulté et du coup, c'est plus difficile de le déclencher et c'est plus difficile d'atteindre le dernier niveau. Et ce soir, vous avez réussi à monter jusqu'au niveau 5 quand même, hein. 5 ? Damn ! 5, oui. La vache. Attends, j'arrive, merci pour les 300 bits. Mort devant ce TV. Main d'entonnoir à la place du verre. Ah, le truc, c'est que vu que c'est le verre de Muxy, c'est pas comme Streamlab où tu peux changer le verre et que tu peux même en faire un custom. Muxy, c'est celui-ci et rien d'autre en fait. Et Trickix, merci pour ton sub et bienvenue. Merci pour le soutien. Ah! Et il y a Apoapsis qui casse tout le délire! Avec un emoton lead 2 minutes. Ça va calmer tout le monde. Aïe aïe aïe. Ah oui, non. Ça y est, j'ai chopé une saloperie. Alors, du coup, oui, on disait Unbreak. 4. Hop, 8 niveaux. On fait ça. Et du coup. Ding, ding, ding. Si je mets un Unbreak là, 8 niveaux aussi. Faudra un bon arc. Est-ce qu'il y a des bons arcs? Ce qui est bien avec les arcs, c'est que tu peux avoir multi-shot et que tu peux avoir quick draw pour tirer très vite et tirer plein de flèches en même temps. Ouais, mais du coup, quel est un bon arc? Regarde dans les arcs de loot. Méga loot, je crois. T'as des arcs qui sont pas mal et qui tirent déjà plusieurs flèches d'un coup. Hein. Là, il faut les avoir, quoi. Mais ouais, mais il y en a déjà quelques-uns dans le stockage. Ah bon? Ouais. Ah oui. Oh, pas con. Chips par Giga pour les 107 bits. On peut parler en bits. Effectivement, vous pouvez parler en bits. Mais calmez-vous. Comment on fait là? Des fois, ils ont des noms un peu bizarres. Du coup, je sais pas quoi. Comment qu'on recherche un mode dans le truc? Là-dedans, je crois que c'est @. Je sais pas si tu peux le faire @. Sinon, tu tapes Epic. Bon, eh bien, nous sommes à 105% du niveau 5 du train de la hype. Dragon Rouge, merci pour les 3400 bits. Encore une fois. Pepperman pour les 300 bits et Bulking pour les 400 bits. Ça fait beaucoup de bits. Genre vraiment. C'est pas bien, tout ça en live, ils vont venir te brûler. Tu aimes les bits? Y'a pas de problème, moi je sors pas de chez moi. Donc bon. Et merci Esmin pour les 300 bits. Let's go! C'est ton vendredi 13. Ah bah là, le vendredi 13, oui, il marche bien. Pour ton skillbook, rien ne t'empêche de tout prendre pour après le ranger. C'est vrai. Oh la vache. Chouchou. Quality powerful. Ouais, 105% de hype. Au niveau 5 quand même. Ça c'est dingue. Parce que je pensais pas qu'on atteindrait le niveau 5 avec autant de... Tard. On a 8 abonnements. Ça c'était écrit mince. Et 25 000 bits au total. 25 000 Damn. Oh, ils sont fous ce soir. Aou. Hein. Aou. Je suis en train de voler. Et je vois plus rien. T'as blindness? Ouais, j'ai blindness, ouais. Il est pas mal, hein. Ah, il est pas mal celui-là. Moi j'ai celui-ci comme arc. Oh la vache. Voilà. Seul problème avec cette arc. Ouais, mais la plupart des flèches ne touchent même pas au final. Ouais, le problème c'est qu'avec les flèches, tu vois, quand ça tire, ça met en feu le bloc que je touche. Ah ouais, je vais pas mettre flame moi. Ouais, c'est flame, faut éviter. Hein. Merci Ultrimix pour les 500 bits. Damn, j'ai loupé le train, bon bah le plaisir reste le même. Merci à toi Ultrimix. Péron Delta avec les 29 bits également, merci à toi. Ça vaut combien en euros, 25 000? Aucune idée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, avec mon nouveau contrat, peut-être que je l'aurai, les 25 000 me donneront plus.
Ah, ça c'est sûr. Et dragon rouge. Qu'est-ce qui t'arrive, dragon rouge, ce soir? Ça va pas? Merci pour les 2750 bits. Merci beaucoup, dragon rouge. 334 euros pour 25 000 bits. Alors, c'est 334 euros achetés. Ou si vous, en, ou vous enlevez 50% de, dessus. Je sais pas quand, mais un jour je te ferai un don de 100 000 bits. On verra. Mais 100 000, c'est beaucoup, hein. Ça s'écrit comment, multishot? Multi, je crois. Oui, mais. Je regarde. Ah non, moi j'ai déjà un arc qui tire plusieurs flèches d'un coup. Ça tire 4 flèches d'un coup. Normalement, ouais, c'est collé. Attends, multi-jump. Ah non, ça doit s'appeler autrement. Ça s'appelle. Ah ouais, multi-shot. Multi-shot. Okay. Avec un M et un S majuscule, c'est cyclic qui donne l'enchantement. Non, faut que tu enlèves les 50%. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, je pense qu'on en a pas en stock. Oh, what? Mais je vois même ah pas oui, les flèches. Ah oui, il a awning. C'est quoi ça? Aïe. Bah, regarde. Non mais, non mais je te vois pas, je suis blindest là. Ah ouais, c'est vrai. Je verrai après. Attends, je m'approche. En oui. Gros, je peux être en mode... Eh, ça va, man? Il tire sur le mur et il me touche. Il a même plus besoin de viser. Regarde, je peux faire. Je peux faire... Ok, man, t'as vu? 300 dans nos scopes. Mais comment ça se fait? Il a awning. C'est un enchantement. Ah, c'est un enchantement? Awning. Awning. Ah, homing. Voilà. Yes. Oh, et il y a homing 3. Oh. Ça va jusqu'à 3? Ouais. Oh, bah là, ça marche déjà. Voilà, ça peut-être la portée. Ok, 10. Voilà, on fait une épée absolument cheatée. Donc là, on a Unbreaking 5, Sharpness 10, Looting 4... Je me demande si on peut augmenter le looting encore. Sharpness 3. Tiens, je vais regarder si on peut augmenter encore le looting. Il y a des outils avec homing dessus, t'es en mode. Oui. On va enlever celui-là. On va enlever celui-là, ça nous fait un sharpness 3. Enfin, un looting 3. Là, ça nous fait un looting 4. Ok, on va faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Faire un Patreon ou un truc pour les gros dons comme ça. Bah, à un moment j'y ai pensé au Patreon, mais après je me suis dit il y a déjà mine de rien les sub Twitch qui sont déjà pas mal, donc en vrai à ce moment là il y a Streamlabs et tout ça, si tu veux vraiment faire des dons. Oui, voilà, t'as pas besoin de faire un Patreon quoi. Du coup je me suis dit que finalement ça servait pas à grand chose, il y avait déjà Twitch pour ça. Ok, du coup là ça me demande combien? 16. Et pour moi, en fin de compte, les Patreons, c'est vraiment pour ceux qui ont plus de choses à proposer que du simple streaming. Je pense aussi. Non, ça jusqu'à 2 homing, j'arrive pas à faire. Je peux avoir looting 5 pour 20 d'XP. Non mais lol. C'est juste absolument abusé, les enchantements, là. Donc mon épée. Looting 5, maintenant. Je suppose que je peux aller au-delà de looting 5. On peut sûrement avoir plus... que Sweeping Edge 3. On peut sûrement avoir plus que Lifesteal looting, 2. Looting 5, what? Ouais, Looting 5, ouais. En fait, tu peux continuer à augmenter ton looting. Je suppose que là, si comment? J'essaie de retrouver... juste en rajoutant un Looting 3 sur un autre Looting 3 de ton épée. Et ça te le transforme en Looting 4. What? C'est bizarre, ça. Il doit y avoir un mode qui ajoute ça. Du coup, c'était pas Looting que je cherchais, c'était... Lifesteal. Genre là j'ai live style 2. Il y a du lag là? Ouais, il y a du lag, ouais. J'essaie de récupérer l'item dans le stockage. Ah voilà. Ah non, c'est pas ce que je voulais. Si. C'est pas ici que je voulais aller, c'est là-dedans. Ok.
Lifesteal 2, est-ce que je peux l'ajouter? Ah oui, je peux avoir Lifesteal 3. Mais... ça va que jusqu'à Lifesteal 2 en fait. Sauf que là, mon enchantement peut aller jusqu'à Lifesteal 3. Il doit y avoir un mod qui ajoute ça. Hein. Je sais pas si on peut aller jusqu'à Sharpness 100, mais là, pour le moment, je peux pas aller au-delà du Sharpness 10, parce qu'il n'y a pas d'autres Sharpness 10 qu'on a. Ah. Bon, c'est 6 d'XP que j'ai besoin. On peut faire un Power Sage, même plus. Probablement, oui. Runed. Je vais chercher le Runed. Moi, je le mettrais pas sur une épée. Ah ouais? Ouais, parce que moi j'ai l'impression que je faisais moins de dégâts quand même. Enfin, c'est un peu bizarre. Je suis pas sûr. Ah, c'est l'enchantement qui transforme les dégâts en dégâts magiques? Ouais. Du coup, peut-être que les calculs sont moins bons et que. Possible. L'Illuminati Pet, je pourrais peut-être le faire, ouais. Il vient tout juste de terminer, c'est très bien. Est-ce qu'on a des stars? Oui. Du coup, qu'est-ce que l'Illuminati Pet va nous donner? Un bouclier. Bulky Obsidian Shield. Max protection 1600. Block and left click to shield bash. Ouais, apparemment, je peux donner des coups avec. C'est un sacré bouclier, hein. Mais il est pas terrible, hein. C'est vrai qu'on pourrait maintenant dupliquer avec Bibliocraft pour vraiment avoir des enchantements complètement pétés. Hein. Bon? Ouais, vu qu'on peut augmenter vraiment tous les enchantements. Là, il suffit que je me sors l'Unbreaking 5 que j'ai. On le duplique avec Bibliocraft. Ah oui. Et on a Unbreaking 5? Ouais, j'ai Unbreaking 5, ouais. C'est en fait, tu continues de monter les items, ouais. Alors. Alors, si je fais un autre bouquin Unbreaking, là... Chiped... Vicious, 15 attaques damage. Ouais, je peux tester mon épée sur toi? Vas-y. Oh. À mon avis, oui, l'enchantement rune, ça ruine mon épée. Parce que là, franchement, j'ai 30 attaques damage. Hein. Ah oui, on peut continuer de mettre les trucs. Ouais, c'est abusé, hein. Fuck! Et puis en plus, Rune il est à la fin quoi. Si je veux l'enlever, faut que j'enlève tous mes enchantements. Breaking 4. Non, ça fait rien du tout. Mais du coup, pour faire le bouquin Breaking 4, oui. Ouais. Okay. Aïe. Oh la vache! Ouais, ça fait mal. Je tirais tellement vite. J'ai même pas besoin de viser! Chiped. Ça, est-ce que ça te vise de loin? Et c'est... Où est-ce que ça a été là? Je sais même ah, pas. Graceful. Salut, Emel. Bonjour. Tu veux bien me servir de cobaye? Où ça? De test. J'ai envie de voir jusqu'à quand que le homing ne marche plus, tu vois. Genre jusqu'à où il vise automatiquement. J'arrive. Je termine de... On va faire sweeping, attack speed, c'est pas mal ça. Je peux attaquer plus vite comme ça. Yes. Aïe. Ok, si je vais un peu plus loin. Ah ouais, ouais. Je vois ta flèche si partir sur la droite. Oh la vache, t'as vu ça? Mais je te vois plus là. C'est moi. Ah oui, oui, c'est vrai. Là, tu vois? Regarde, je vais même tirer vers le haut là. Vas-y. Ah non, non, ça va. On commence à atteindre la limite. Mais je pense que si je tire vers toi, globalement... Non, ça va, ok. Non. Bon, là, c'était moi juste qui visait. Bon, là, ouais, forcément, ouais.
On peut pas dupliquer. C'est horrible quand le joueur regarde, je veux juste continuer de faire ça et tu restes. Allez, là, je peux rien faire. Et t'es en lévitation en plus. Je suis en lévitation, blindage, je vois rien. Mais c'est horrible. Ah oui, ça pour le PVP, c'est terrible. Oh la vache. Oh la vache. Damn, il est power 5 aussi, donc ça aide. C'est pas forcément le meilleur niveau des dégâts, j'ai l'impression, mais pas mal. Il reste combien de temps? Ah. Je vais tester contre des mobs. Kilo, c'était une planche. Pro okay. Du mob. Merci d'avoir offert ton corps à la science. Mais je vous en prie, monsieur. C'est un plaisir. Surtout que j'étais full armure super pété. Hein. Ah oui, c'est vrai, ça. Tu perdais de la vie, quand même. Ah oui. Nice. Mais je pense vraiment que l'enchantement rune que j'ai mis sur mon épée, faut que je l'enlève. Hein. C'est pour ça que moi, je vais refaire mon épée à 9 et en profiter pour en faire une meilleure. Je vais refaire mon épée. Ça va être chiant pour le stream, je suis désolé, mais je vais refaire mon épée. C'est bien choisir l'enchant qu'on enlève, mais bon. Ouais, ça par contre, ça aurait pu être sympa. Parce que le problème, c'est que moi, mon rune 2, il est à la fin de mon épée, quoi. Yes, bah, quand tu rajoutes, c'est forcément à la fin, et du coup, c'est... Mm. Et effectivement, Max Mine, cette soirée, c'était assez fou. Le problème, c'est que là, on est obligé de le réparer comme ça. Oh, tu me diras, je pourrais le réparer directement là-dedans. Ah, c'est parce que c'est le premier stream depuis la vidéo Holy Cube, non? J'en ai fait un autre stream hier, mais c'est le premier stream ouais, où on est ensemble. Ouais, mais là, c'est le premier qu'on a ensemble. Ça doit être ça. Combien de dégâts je fais à ce mob? 11? Ouais, mais c'est sa vie, quoi. Je sais pas si je peux avoir Mending 1 ou 2, ou 3. Possible. C'est bien, tu peux juste aller quelque part, tu tires, et les flèches vont automatiquement sur tes ennemis. Bon, t'es en mode, ouais. C'est pratique. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre Infinity, c'est chiant ça. Ça, Infinity, par contre, on n'a pas trouvé. Hein. Ah ? Ah bah si, on a un Backfire Cannon avec Flame et Infinity. Ah, bah voilà. Ça serait bien de faire du Bibliocraft alors. Il y en a si peu que ça ? Ouais, y'en a pas beaucoup. Ils hein. ont nerfé. Ah, à mon avis, ça doit être nerfé. Pour éviter de l'avoir trop vite ou autre chose. Je vais voir si je peux les dupliquer les bouquins, mais le problème c'est que ça va nous coûter une quantité astronomique de d'XP pour ça, hein, pour dupliquer les bouquins. Pour Infinity, par contre, ça il nous faut. Ok, je vais mettre là-dedans. Du coup, on va pouvoir remettre ça. On va regarder combien ça va nous coûter. Tu fais le truc de Bibliocraft ? Ouais, ouais. Ça, j'en veux pas. Du coup, Bibliocraft. Ah non, c'est autre chose. Ok, c'est pas un enchantement Infinity, ce truc. C'est marqué Infinity, mais... pas vraiment Infinity. C'est pas terrible, du coup. Arnaque ! Donc ouais, on n'a pas des... Je pense qu'ils l'ont peut-être retiré. Bah, je sais pas. Pour le coup, je l'ai jamais vu. Peut-être qu'on peut le trouver avec un villageois. Hein. Tu sais, si on va chercher des villageois, peut-être qu'on peut essayer d'en avoir un. Possible. En attendant, il faudra prendre toujours des flèches. Chiant, ça. Alors, il va nous falloir... Si je tire là, ça tire sur quoi? Ça tire sur moi. En priorité, malgré les mobs. What? Oui, effectivement. Ça peut être dangereux, ça. Oui, ça va que j'ai remis mon armure. Ouais, c'est surtout que... Bon, toi, t'as le Iron Skin. Mais c'est surtout que tu dis, si on va à un endroit et que je commence à tirer à côté de vous, c'est vous qui allez être touché au lieu des mobs, quoi. Ouais. On va mettre ça ici. C'est dommage qu'on puisse pas rajouter des alliés, tu vois, et puis juste dire, lui, c'est mon copain. On va prendre un stack de books. Mettre là. Alors, tuer des mobs. Ah, par contre, il va nous falloir de Link Sack. Et Link Sack, on en a pas des tonnes. Non, on a que ça. Link Sack, c'est le seul problème qu'on a, c'est qu'on a que dalle. Hein. On a pas d'Link Sack. Ah, c'est chiant. Je sais qu'on peut en acheter des Link Sack, mais c'est embêtant quand même d'aller en acheter.
Y'a pas un pet pour un filtre. Y'a pas des poulpes dans l'eau? Ah, faut les trouver les poulpes. C'est vrai que j'en ai pas trop vu. Fallait en chercher. Surtout que j'ai respiration. Il y a les flèches avec potion. Dans cette version, oui, oui, c'est l'1.12 donc. Ouais. Ouais. Je vais quand même en acheter un tout petit peu. J'ai récupéré un peu de pièces. Pas embêtant quand même de. C'est vrai que je vois pas de poulpe. Hein. 20 pièces pour un ink sac. Je vois pas de poulpe du tout. Ouais, c'est le problème, je sais pas où ils sont les poulpes. Et pour en avoir, il faut avoir du squid beak ou alors du squid de aquaculture. A mon avis, tu peux le pêcher ce truc là avec aquaculture. Alors, je connais pas du tout le mode. Grâce à quoi tu as fait ta pioche qui mine plusieurs blocs? C'est cyclique, ça le fait automatiquement. Ferme à poulpe, et je la fais comment la ferme à poulpe? S'ils spawnent pas dans les océans, ils spawneront pas autre part. Je peux toujours essayer dans le monde vide, mais le monde vide ça m'étonnerait aussi. Hein. Pas sûr. C'est quoi ça? De quoi? Le son? T'as pas entendu un drôle? Oui. C'est mon Illuminati pet. Ah, j'étais en mode, mais... C'est X-Files. Oui, mais je me dis, mais what the fuck, pourquoi il y a le thème d'X-Files, là, quoi? J'ai regardé sur mon Spotify, j'étais en mode, mais non, c'est pas ce que j'écoute. What the hell, man? Alors, du coup, je vais quand même me faire les lunettes. MLG. Les lunettes reading. Ah, puis ça coûte 2 ink sacs, hein. Évidemment. Donc si je veux faire l'Unbreak 5 par exemple. Vous arrivez à lire comme moi ce qu'il y a marqué là? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va s'amuser à dupliquer les bouquins? Moi je dis non hein. C'est écrit quoi? 192 levels. 192, oh damn. C'est non. Pour le bouquin Breaking? Pour le bouquin Unbreaking 5. Ouais, mais encore ça, on peut le faire, toi. Donc oui, on peut le faire. Donc c'est pour ça qu'au final, je vais pas dupliquer et que. Protection aussi, on peut le faire du coup. Protection, sûrement, ouais. Protection. Si on peut les faire et protection et Unbreaking, c'est des enchantements très communs. On les a beaucoup, donc on s'en fiche. Par contre, t'aurais, je sais pas moi, peut-être looting éventuellement, ça vaudrait peut-être plus la peine. Surtout que looting c'est moins haut level, donc peut-être que ça te requiert moins d'XP. Tout est rangé, monsieur. De toute façon, on n'a pas de ink sac, donc bon. Il faut qu'on récupère plus d'ink sac. En attendant, je vais essayer de remettre mes enchantements dessus sans mettre rune 2. Donc Unbreak 10 niveaux. Ah, j'ai pas eu le speed du mob violet, je voulais voir ce que ça faisait avec le speed de mon skillbook en plus si ça s'additionnait. Ça peut être intéressant. Là, le speed du skillbook, c'est pas un effet de speed, quoi. Enfin, c'est pas un effet de potion, quoi. Non, c'est autre chose. Ça change tes stats carrément, quoi. Ouais. Donc, c'est-à-dire que tu pourras l'additionner avec un effet de potion. Je pense, oui. Il me faut un mob violet. Pour tester. On peut pas avoir un distributeur de mobs violets. On n'a pas le mode Mr. Crowfish. Et enfin le dernier, 20. Ok. Du coup, est-ce que je peux vous retaper avec mon épée? Voir si le rune que j'ai enlevé, c'est ça joue quelque chose ou pas. Why not, j'arrive. Tu voyais le nombre de dégâts que tu faisais, hein? Je faisais que 1 quand je te tapais.
Bon, là, j'ai fait 2. C'est pas. J'aurais dû tester sur des mobs aussi. Ah, là, j'ai fait 17, 28 sur le meuble. Hein. 17, 28 ? Tiens. Écoutons. Ça fait quoi ce pet ? Et du coup, en fait, ça te drop un item aléatoire dans le mode pack. What ? Ah, c'est celui-là ? Ouais. Ça s'appelle comment ? Illuminati pet. Il faut se refaire un Wither Boss pour l'avoir. Ah, c'est pour ça ! Ah, t'as utilisé notre seul Nether Star pour ça. Ouais, mais on a d'autres Wither Skulls, j'en ai ramené d'autres. Donc, t'as eu quoi jusqu'à maintenant ? Là, je viens d'avoir un truc intéressant, c'est le Superium Apple. Superium Apple qui te donne absorption 2 pendant 2 minutes, speed 2 pendant 2 minutes, résistance 2 pendant 2 minutes et régénération 2 pendant 2 minutes. Ouh. Donc c'est une bonne, c'est une belle pomme quoi. Je vais la ranger parce que j'en ai pas besoin mais. Du coup, si on veut essayer d'augmenter ça, on avait dit qu'on pouvait tenter. Mending, on m'a dit mending, tester un nouveau mending dessus, je pense pas que ça joue. On va essayer quand même. C'est jamais. Ah, est-ce qu'on peut avoir mending 2 ? Oui, on peut avoir mending 2. À quoi ça sert ? Je ne sais pas. Non, tu peux. Je crois pas que tu puisses réparer le pet dans l'anvil. Hein. Non. Tiens, d'ailleurs. Oh, on n'a pas tiny progression là. Donc on peut avoir Mending 2, mais à mon avis ça sert à rien d'avoir Mending 2. Qu'est-ce qu'on peut augmenter? Sweeping Edge peut-être. Ça a de beaux enchantements tout ça, ça a de beaux enchantements. Tiens, Smite 4, Sweeping Edge. Tiens, je me demande d'ailleurs. Ah oui, on avait dit qu'on. Faudrait qu'on essaie de faire protection 5 aussi. Oh, tous ces enchantements là-dessus. On peut vraiment aller dans l'overkill en vrai. Donc. Smite, on peut pas l'ajouter. Sweeping Edge, on peut aller jusqu'au Sweeping Edge 4. Pour 16 d'XP. Allons-y, on est fou. Ça sert à rien, mais c'est pas grave. Ça sert toujours mieux que le mending. C'est pas ici, monsieur, qu'il faut le mettre. C'est là. Bonne nuit, dragon rouge. Probablement que ça doit augmenter la rentabilité de l'XP. Mais vu qu'on a 9000, enfin 8000 de durabilité. Il y a peu de chances que j'arrive au bout de la durée de cette épée avant que je retourne à la base pour l'enchanter. Ah, et Vigor 3, c'est vrai. Vigor. Est-ce qu'on peut avoir du 4 ? Pas regarder ça, tiens. Eh bien, je te confirme. What ? Ouais. Du coup, faut le mettre sur le plastron. Hein. Ouais, seulement. Plastron. Malheureusement. Voilà, et là, boum. Des cœurs en plus. Oh, c'est beau. Et donc là, on a Magic Protection 4, Last Stand 2. Du coup, je suppose qu'on peut augmenter en plus notre Last Stand aussi. Unbreak 3, on peut augmenter les unbreaking sur nos items hein, pour qu'on ait unbreaking 5 partout là. 32 level ? Oh. Ça va, faut juste plus d'XP. Là l'XP j'étais a pris un sacré coup. Pratiquement 32 en fait. Ah oui. Tellement de puissance ! Tu me diras, on a peut-être l'enchantement XP boost aussi qui peut nous permettre d'avoir de l'XP en plus quand on tape avec notre épée. Je peux tester un combo sur toi. Un combo ? Ouais. Faut aller dehors alors. Donc en gros, ce que je dois faire, moi, c'est ça. Effectivement. Ouais.
te tire une flèche, tu flottes dans les airs, tu vois plus rien, je te tape à l'épée. J'ai récupéré un Sojourner Staff, Consume Torch, Can Place Them Long Distance, But Cost Extra. Mm-hmm. En gros, si je mets des torches là-dedans et que je veux mettre une torche là-haut, ça me coûtera plus d'une torche, quoi. Tu es Koryasama, exactement. Il est d'ailleurs en train de me taper, il est où? Je fais des MLG, enfin, je fais des coups incroyables. J'ai des 360 no scope, regarde. Ah. J'ai même pas besoin de vider. Non, c'est ça le pire. Okay. En plus, avec le fait que les mobs lévitent, c'est juste... Ah, c'est toi que j'ai touché? Oui. What? Je tirais sur un zombie. Ouh la vache, il faut vraiment faire attention. Ouais, oui, parce que c'est un peu violent. Dès qu'en fait, il y a un joueur qui est dans la range, il préfère le joueur au mob. Même si le mob est plus proche. C'est un peu... Ça ouais, c'est bizarre, hein, c'est bizarre comme comportement. Sûrement, il devrait viser en priorité ce que tu vois le plus dans ton champ de vision et le truc le plus proche de toi. Mais bon. Il y a tellement de choses avec Unbreak 3 dessus. J'ai tapé Unbreak. Ah, il y a une pioche en diamant Unbreakable ici. Ah, ah bon? Ouais. Je vais la prendre. C'est un enchantement Unbreakable? Non, non, c'est l'outil qui est Unbreakable. Il en reste une. Ah. J'ai fait hashtag Unbreak. Ah, et du coup, il y a une pioche Unbreakable. On a dû le récupérer avec la forme à mob. Du coup, je vais pouvoir avoir une pioche en diamant avec les enchantements que je veux dessus. Unbreakable. Écoutez. Très bien. Moi, tout ce que je veux, c'est récupérer les enchantements Unbreaking 3. Du coup, maintenant, t'es vraiment notre mineur nain, quoi. Oui. C'est vraiment ça. Moi, je suis le tank. Et puis, Edo est... Edo est Edo. Edo, c'est Edo. C'est le magicien. Mage. C'est vrai. T'as vu, il a même fait disparaître son dragon, quoi. Quel magicien. Ouais, c'est quand même pas de bol, hein. Yep. Ah, faut d'abord que je le répare, lui. Comment on fait un raid? Faut que t'aies une chaîne, Twitch, et qu'à la fin de ton stream, tu raides les gens. Avec la commande slash raid. Bah, normalement, les raids, c'est pour faire aussi pendant ton stream, en vrai. Oui, aussi, oui. Ok. Donc là, on veut mettre un... Unbreak là-dessus, ouf. Très bien. Pour l'instant, je mets que du Unbreak 4. Hein. Ok, 8. On va pas avoir assez d'XP pour tout faire de toute façon. Unbreak 3 ici, donc il en faut 4 aussi. Ah, et puis d'Enville. Enville. Existe-t-il un mode pack du même genre, Dragon Aventure Magie, avec beaucoup moins de mods? Bah, je pense pas que tu puisses avoir un mode pack avec beaucoup moins de bots que ce mode pack là. Vraiment, parce qu'il y a vraiment très peu de mods sur ce mode pack en vrai. Bah, très peu, tu veux dire quoi. Ouais, mais t'as quand même pas grand chose, mine de rien. Golden Anvil, je sais pas ce que ça fait. Mais je suis très curieux de voir ce que ça fait. This item cannot be reforged. Celui-ci, hein? Celui-là. J'ai reçu. Du coup, tu peux reforge la pioche en diamant unbreakable? Bah. Ah oui, complètement, oui. Je peux lui donner des stats plus intéressants. Et du coup, bon, il va garder l'unbreakable normalement. Ouais, toujours unbreakable. Là, j'ai graceful, donc j'ai dick speed, 15% dick speed, 15% d'attack speed.
Il y a une deuxième pioche unbreakable en fortune. Ouais. Fortune à major. Fortune 3, efficiency 5, unbreakable. En diamant, quoi. Elle a un nom spécial, mais c'est une pioche en diamant, quoi. Je vais garder Graceful, apparemment, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi aussi, je suis unbreakable. Il a Rad Light. Pourquoi tu veux qu'il y ait Rad Light? Pour moi, Rad, il est quand même vachement light comme modpack. Hein. Après, j'ai l'habitude des gros modpacks, mais pour moi, ce modpack, il est light, hein. Ah oui, il est light, tu peux... Il garde toujours son bon FPS et tout, donc c'est cool. Ouais, et puis... il est assez rapide à s'ouvrir. Relativement, oui, par rapport à d'autres, oui, ça c'est sûr. Puis il crash pas vraiment. Quand t'as un crash, c'est toujours l'autre crash, et bien, du coup t'as le temps de voir venir. Quoi. Ouais. Et du coup, on peut monter au-dessus des efficiency 5 ? Probablement, oui. Moi, justement, je vais monter ma pioche au-dessus du fortune. Ouais. Ah ouais, l'unbreakable, vraiment. Ok. Parce que là, je vais faire ma petite pioche... ma pioche incassable avec fortune 3. Je vais lui remettre fortune. C'est pas ici que ça se passe, c'est ici que ça se passe. Donc je peux avoir fortune 4 pour 17 XP. Bon, par contre ça va être compliqué de récupérer le reste de l'XP hein, en vérité. Voilà. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin de lui mettre. Je sais pas, je l'ai vu, je l'ai testé, je fais bon moi j'y vais. Mais il dit que cet item peut pas être reforge, mais je sais pas comment mettre un item dessus en fait. Ah ouais. J'ai vu un color en rouge hein. Du coup, il y a te pas le donne automatiquement le truc ou tu dois faire un clic sur le pet? Je dois faire un clic sur le pet. Ok, je me demandais. Et sur le pet aussi, tu peux te rendre invisible pendant une minute. Mais vraiment invisible. Genre, tu peux pas me taper et tout normalement. C'est pas mal ça. Qu'est-ce que t'as eu? Non, c'est juste Legendary. Voilà, Legendary, c'est ça qui est bon. Tiens, remets les diamants de lance, s'il te plaît. Après, ça sert un peu à rien sur la pioche, tu pourrais juste avoir le plus 10% de speed et c'est déjà pas mal. Ouais. Tu peux remettre les diamants dedans ? Yes. Je vais aller jusqu'au légendaire. Yeah. Comme dans Terraria, c'est terrible ça, hein, pour essayer de trouver le bon reforge. Bon, on se laisse... Ah, voilà. Très bien, donc Legendary. Je vais ranger les diamants. Et du coup, j'ai pas besoin de mettre Unbreaking 3 sur ma pioche, étant donné qu'elle est déjà Unbreakable. Il faut qu'on lui mette... Mending, pareil, j'ai pas besoin de lui donner non plus. Hein. On peut faire Efficiency 6. Oui. Alors, oui. Par contre, moi ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre Smelting en plus à ma pioche. Et j'ai envie de tester 5 d'XP. Est-ce que je peux récupérer 5 d'XP s'il vous plaît? Oui. Et j'ai envie de tester si avec une fortune 4 et Smelting, je peux avoir plus de minerais quand je tape un minerai tout simplement. Donc si je tape or et que je tape par exemple voilà, du fer ici. Alors évitez ce que je vais. Du steel. J'ai eu du steel. T'as vu ML? Non mais c'est n'importe quoi, tu vas beaucoup trop vite. Et si je vais sur tes des blocs de bâton? Ah ouais, là tu vas aller encore plus vite hein. Oh la vache. Je comprends pas pourquoi je récupère du style de Tactics du coup. Tu me verrais autour de ton coffre là. Attends, j'arrive. Ah oui. Attends, j'ai plus faim là. Là je ne cours pas. Là, je marche. Attends, là, je cours. Oh la vache, je vais vite aussi là-dessus, mine de rien. Ouais, mais là, je marche. Hein. Et je te suis, hein, je marche. Et là, c'est je cours. J'arrive pas à le suivre. Il va me rattraper. Oh, puis voilà, là, j'ai marché sur des trucs qui vont pas, donc bon.
Bonjour. Oh la vache. Ça marche bien. Ça marche bien. Mais du coup, multi-jump, on peut avoir multi-jump 6 aussi. Je suis en train de me dire. Bon, moi j'ai une pioche Craft Pixel, c'est bon. J'ai une pioche cuir du fer. Donc, ouais, c'est normal que je récupère du style, mais c'est dommage. La pioche FHC6 a plus de son dick speed plus 10%. Est-ce qu'il a besoin de Ace pour fonctionner à pleine vitesse? Je prends du copper, on va prendre. Tiens, je sais pas, des émeraudes. Oh, ML. J'ai plus besoin de Ace avec Efficiency 6 plus le Legendary. Ah, bah voilà. Et elle est unbreakable, donc c'est. Au final, la seule limite que j'ai, c'est ma bouffe. Et mal, ouais, il nous faut un truc où on a plus besoin de se préoccuper de la bouffe. Un truc où on a plus besoin de se préoccuper de la bouffe. Il y a des pets qui nous donnent à manger automatiquement. Ah. Mais ils sont pas très très efficaces. Oh. Je sais pas s'il y a un truc dans le mode pack qui nous permet de manger automatiquement ou de plus avoir faim en fin de compte. Alors on n'a pas Botania donc on pourra pas. Les brochettes cuites c'est pareil, c'est faut manger quoi. Là on parle de quelque chose où on n'a pas besoin de le manger. Oh la vache. J'ai avancé et maintenant il y a une grotte. Voilà. Tiens. Bon, je verrai plus tard. Pas de ma faute s'il y a une grotte qui est apparue. Mais en fait si. Du coup, ouais, ça marche. Ça marche plutôt bien. Faut juste que je mette 6 fonds dessus et là, j'ai même plus besoin de me préoccuper de récupérer les blocs. Y'a pas draconique évolution. Il va mourir lui ou il Ouais, non, y'a aucun mode technique hein, là-dessus. Je vais regarder après ce qu'on me propose là. Autofeed, on me dit. Alors, autofeed, où est-ce que je trouve ça? J'ai l'impression que mon hang glider est boosté au niveau de vitesse à cause du. À cause d'un des trucs de speed que j'ai. Pas l'effet de speed évidemment, mais. Y'a pas d'auto-feed. Si je tape juste feed. Y'a pas non plus. Attention ML derrière toi! Non. Il y a un mob violent. Te défends, ML. Ah, c'est toi? Non. Ben oui, c'est moi. Ah, tu me vois pas? Non. Tu vois juste un petit feu. Je suis un feu. Oui. Un feu de camp. Je vois un feu de camp. Je suis un feu de camp qui t'attaque. Tiens, j'ai droppé ça. Il y a la musique. Ça tombe bien. Le feu de camp. Du coup, faut que je lui remette efficacité. On va lui remettre tombstone. On me disait quoi, XP boost aussi. Ah, mais XP boost, je sais pas si je l'avais. Non, on l'a pas. XP boost, on l'a pas. Nous ne l'avons pas. Et du coup, saturation, je peux essayer. Non. Bonus hunger saturation. Can eat poisonous pot food. Give you pork chop. Oh, c'est le pig machin. Faut avoir des carottes sur soi. Après, il peut y avoir des potions de saturation et on peut se faire un anneau de potions de saturation, je suppose. Ou pas. Pas l'impression qu'on puisse. Non, on peut pas. Dommage. Et du coup, on me disait qu'il y avait un autre enchantement que je devais me mettre. C'était... Je vois plus. Le Charm of Gluttony, c'est Dark Utility. On l'a pas. Siphon, voilà, merci. Et siphon. Pas Magic Siphon. Juste Siphon.
Ah, siphon. Et siphon, c'est quoi? C'est sur la pioche? Ah, sur la pioche. 3. Alors. J'ai une pioche efficacité 5. Je lui rajoute un bouquin enchanté efficacité 5. Ça me fait une pioche avec efficacité 4. Ah non, efficacité 6. Oh là là, ouvre les yeux. Mec. La fatigance, la fatigance. Oui, c'est dans l'autre sens. Oui, oui, c'est dans l'autre sens. Toi aussi, tu as la pioche complètement pétée. Ah là, oui, la pioche, elle est pétée maintenant. Et toi, avec ton Ace 2 encore, tu pourrais peut-être insta-break même des blocs que t'es pas normalement insta-break en vanilla, quoi. Peut-être, ouais. Faudrait que j'essaye de l'obsy. Genre la cobble. Ah, attends, je prends de l'obsy. La cobble, c'est sûr, je peux l'insta-break, hein. Ouais, insta-break. Et de l'obsy, je pense pas, hein, mais... C'est assez rapide, quand même. Du coup, ça me fait de la stone, et ouais. Ah, c'est pas encore de l'insta-break, ça, monsieur, hein. Non. Si, t'as vu ? Insta-break ? Oui. Alors maintenant, l'objectif, insta-break l'obsidienne. J'ai efficacité 6. Allez, on va monter. On va monter. On va prendre nos deux efficacités 3 pour avoir une efficacité 4. Est-ce qu'on peut avoir une autre efficacité quelque part ? Un efficacité 4, impeccable. Ça nous fait un efficacité 5. Le mec qui arrête pas de vomir. Il est dégueulasse. Et puis, c'est tellement bien fait les bruitages. Ça, je le dirai jamais assez. Hein. Ok, ça devrait être pas mal là. Efficacité 4. Bon, je peux récupérer le Manlig au passage, ça coûte rien. Efficacité 4. Efficacité 4. Ok. Donc là, on a un efficacité 4. Donc maintenant, on va pouvoir faire ça. Ça coûte 5. Très bien. Hop. Donc les deux, 6. Et maintenant, et si je peux avoir efficacité 7, absolument, avec 8. C'est de l'abus, c'est de l'abus. Damn. Efficacité 8. Efficacité 7, pardon. Je pense pas que ce sera suffisant, mais regardons. Non, le truc t'arrivera pas à l'insta break. Hein. Si. Wait, what? Montre. Non, je l'insta pas break, mais ça va assez vite quand même. Ouais, mais insta break c'est autre chose encore. Oui, je sais. Aïe. Donc ce n'est pas assez. C'est un mob invisible, what the fuck. Bonsoir Unsplide. Du coup, avec le beacon qui donne les effets de potion, c'est pas du tout sur le modpack ça. Ça c'est RF Tool. RF Tool on l'a pas sur le modpack. Ah, là après on a que des efficacités 3, ça risque d'être chiant de le monter. On est pas mal avec ça en vrai. Hein. Avec Cyclic, il me semble qu'il y en a un aussi. Bah si tu peux me dire exactement lequel c'est, je veux bien. Environmental Tech aussi le fait. Mais RF Tool également le fait. Calmez-vous. J'imite les autres gars. Qu'est-ce que j'ai eu? Un Light Infused Emerald.
sais pas où ça va, je sais pas qu'est-ce que ça fait. Évolution, chance. Et voilà, moi aussi j'ai une pioche efficiency 7. Peut-être avec un outil de ça. So much power. Non, je vois pas ce que c'est. J'ai déjà Ast 2 en fait, tout le temps sur moi. J'ai cet anneau actuellement. Ah, d'ailleurs, faut que j'enlève celui-là. C'est pour ça que je perdais de l'XP depuis tout à l'heure. Là. Je pense que t'as break la cobble. J'ai ce méga loot bubble qui me donne Est 2 tout le temps. Inside, ça donne quoi ça? Il y a pas de toute façon. Plus d'XP, d'accord. Ah, c'est dans une autre table de méga loot. Oh. Ah, évolution de chamber, effectivement. Tiens, je suis curieux. Oh, mais il est dégueulasse, lui. Ah, et du coup... Oh, ok, je comprends. Ce que je peux. Et ça? Ouais. En gros, on a peut-être une chance de l'augmenter, c'est ça? Ou alors rien du tout. J'aurai des shards. J'ai eu des shards. RIP. Tu me diras, ça coûte pas cher à faire. Hein. Fais voir. Juste pour le plaisir de peut-être augmenter un truc comme ça. Ah. 8. C'est terrible. Bon, ça c'est que des loot cases qui sont pas terribles, donc on s'en fiche si on les gaspille. Hein. Le rare. On s'en peut pas le crafter, du coup on peut l'ouvrir ça. Oh, elle est jolie cette pioche. Elle est jolie mais... Ah bah, cette pioche donne Ast 2 par défaut. Très bien. Elle est pas unbreaking par contre. Et quand on la tire, on a Ast 2. Bah, ça change rien parce qu'on a déjà Ast 2. Je suis un sleeping bag. Tu peux pas la fusionner avec une autre pioche pour récupérer cet effet? Non, c'est les pioches de méga loot. On peut juste les casser pour récupérer les shards et en refaire d'autres. T'en donnes un peu? De quoi? Donne-la un peu. Je vais la ressortir. Loot. C'était. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Thank you. Ah bah, je te vois maintenant. Non, même à la mettre dans la seconde main, ça marche pas. Yes. Bien qu'elle donne 12 secondes, donc tu pourrais juste alterner. Oui. Mais bon. Sharpness 5. Ah, déjà Sharpness 10, on s'en fiche. Comment ça, Sharpness 10? Ah, moi j'ai Sharpness 10. Je l'ai récupéré sur un bol. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que t'es complètement pété. Moi aussi, je l'ai Sharpness 10, j'avais oublié. Un Blight Vindicator. Donc ça, ouais, c'est Random Loot, ça. Hein. Random Loot Mode. Random Loot Mode. C'est ce qui permet d'avoir des Golden Case, des machin case. Random Charge, je sais pas comment tu les as. Et tu peux probablement augmenter ces outils-là, mais alors je sais pas comment les avoir. Ok, 18 secondes. Je vais ranger mon lit, il me sert à rien. Là-dessus, j'ai rien à ajouter. Sur l'arc, non. Par contre, on avait dit qu'on voulait augmenter un peu les points qu'on avait là. J'ai 32 d'XP, faut que je les stocke.
ça fait trop d'XP d'un coup. Tu joues à Blockman Go, je sais pas ce que c'est. Blockman Go, le... Je sais pas quoi. J'ai eu une clé qui s'appelle Easy Key. De Easy Storage. Je savais même pas qu'on avait Easy Storage. Nous avons Easy Storage et on a une clé. Qu'est-ce que c'est que ce mode ? Crafting. Ah si, je connais ce mode, il est sympa. Pas moi. Tu peux stocker plein de trucs là-dedans. Par contre, t'as... Ouais, t'as que ce craft-là. Security box, accès terminal. Oh non, il a fait le effet de homing même à distance, ouais. Oh, tant que la flèche s'approche de toi. Attends. Oui. Ah ouais. comment dire, c'est gentil, mais non merci. Parce que là, tu peux être en mode. Ah ouais, là, tu tires n'importe où, hein. Tu sais même pas où je suis et la flèche te vient dessus, quoi. Oui. Du coup, qu'est-ce qu'on monte ? Ce serait horrible sur un serveur multijoueur. Une cuisse, c'est parti. Monsieur, vous passez devant. Eh, on peut faire un selfie là. On peut faire un selfie ? Non. Non, ok. J'ai encore fait pipi dans la cheminée. C'est absolument ça. Par contre, le jour où j'ai un pipi vert comme ça, j'irai voir un médecin et je lui dirai, écoutez, monsieur... Je pisse vert. Ah, je crois que l'usine Lubrizol, là, elle joue un petit peu sur ma vessie. Un petit peu, tout petit peu. 5. Oui, d'ailleurs, pour ceux qui sont pas au courant, à côté de chez moi, il y a une autre usine qui a explosé. Hein. What? Ouais. Mais c'est pas beaucoup moins grave que Lubrizol. Beaucoup, beaucoup, beaucoup oui, moins mais grave. Mais il y a un problème là pour que les usines explosent. C'est une autre usine classée Céveso qui a explosé. Oh. Du coup, ouais, ça me permet d'aller plus vite vraiment. T'annonces ça au KLM. Bah, tu veux que je te l'annonce comment? Bon. Je vais en rester là pour ce soir. Ouais, mais de toute façon, je pense que je vais couper aussi parce que là, je papillonne. Je fais que de monter mes skills et je fais pas grand chose d'autre de très intéressant donc. Je pense qu'on va s'arrêter là aussi. 7. Je vais peut-être essayer de monter ça au moins à fond. Bon bah, du coup, merci à tous et au revoir. Moi je m'en vais. Bonne nuit, ouais. Man. Bonne nuit à toi, monsieur. Soit avec toi. Absolument, merci. Et n'oublie pas d'acheter du PQ. Y'en a plus. Y'en a trop. Il n'y en a plus dans mon supermarché du PQ, c'est fini. Toutes les mamies du coin ont acheté le PQ. Tu peux faire PQ, il n'y a plus de PQ. Pourquoi PQ, je sais pas. Oh. Parce que les gens ont peur de devoir rester 6 mois chez eux et qu'ils ont besoin de 10 paquets de PQ, je sais pas. Je pense que oui, ils ont peur de pas avoir assez de PQ chez eux. Hein. Je pense que c'est l'idée. Hein. Ah ouais, je vais vraiment super. Petite astuce, vous pouvez prendre une feuille de papier, vous l'écrasez, vous la dépliez, vous l'écrasez, vous la dépliez, vous le faites pendant plein de fois, et à la fin, ça devient littéralement presque du papier en fait. Un peu comme du papier. Donc, si vraiment vous êtes dans des toilettes et qu'il n'y a rien d'autre, et que vous voulez quand même avoir quelque chose qui a la flexibilité, disons-nous, du PQ. Ben, pendant que vous faites votre affaire, vous pouvez juste plier, déplier la feuille, plier, déplier la feuille. Voilà, petite astuce. Ah, c'est un message de prévention par Oyensama. Du Sama. Ça marche bien en plus. Yeah. Tu peux essayer, en fait, parce que plus tu plies la feuille, plus tu la déplies, plus tu casses la structure de la feuille et elle devient. Un peu comme un. C'est pas au niveau du PQ, mais ça n'est pas loin. Très bien. Je tâcherai de m'en souvenir. Oh, j'ai looté une Wand of Shadow. Techniquement, tu pourrais faire la même chose que le carton, mais c'est un peu plus compliqué. Ah, le carton, c'est un peu plus costaud, hein. Ouais, c'est ça le problème.
Alors le Pharos Beacon full cyclique. Bon allez, moi j'y vais. Yes, bonne ça nuit. Marche. Ciao ciao. Tu couperas le serveur. Non, je ferai stop. Oh. It is a voilà. Block that consume potion. Yes, ciao. To provide the effect over a large area like a beacon. Nanananana. D'accord. Pharos Beacon. Ah, je l'avais vu celui-là, mais on l'avait pas crafté. Parce que ça coûtait une Nether Star. Ok, je connaissais pas. Du coup, on pourrait essayer. On pourrait avoir les effets de potion. Après, est-ce que les effets de potion durent longtemps? Je sais pas. Vous savez quoi? On va streamer jusqu'à minuit. Et on va essayer de se le faire, ce truc-là, pour voir ce que ça fait. Mais du coup, faut qu'on se fasse un Wither. Ça lag. Soul Sand. Ok. On va se mettre au loin. Je crois que c'était par là-bas qu'on avait fait le Wither. Cette vitesse, c'est juste débile. Compte les coups pour le tuer. Moi, je vais regarder, ouais. Déjà, il va falloir que je le fasse descendre. Oh, tu me diras, on va pas le faire descendre. On va le faire en grotte directement. Oh. Faut jamais creuser comme ça dans Minecraft, c'est pas bien. Ah, il y a de la lave ici. Vite, barrons-nous. Ah, il y a de la lave ici aussi. Ah, je suis tombé dans la lave. Je n'entends pas les dégâts de lave, mais c'est pas grave. C'est quoi ça? Gravely Clay? Oh. Si je veux le faire dans une grotte actuellement, c'est juste pour pouvoir... En fin de compte, le coincer. Bon, je crois qu'on va peut-être pas le faire dans une grotte, parce que ça a l'air d'être un peu compliqué de trouver une zone sans avoir trop de lave. Oh, quoique là, on est pas mal, hein. On est pas mal ici. Oh, puis c'en est un avec des multicolores. Oh là là. Dans le doute, on va garder notre arc. Hein. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9. Et 10 et 11 et 12. Il est mort. Casse-toi. Et il a droppé 2 Nether Stars parce que j'avais mon loot pet. Excellent. C'est comme ça qu'on fait. Par contre, il a pas droppé 2 Supremium, c'est dommage. C'est absolument pété ça par contre. Ok, donc on tente ça. Il faut qu'on tente de faire la potion pour voir ce que ça donne. Déjà, est-ce qu'il faut mettre ça player? Bah du coup, ça marche que sur une zone comme ça. Potion. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme potion? Water breathing. Je sais que je l'ai pas sur moi le water breathing. Ah si, je l'ai sur moi le water breathing. My bad. Jump boost, tiens. Jump boost, je ne l'ai pas. Si je te le donne. Il l'a récupéré, jump boost. Donc il n'a pas besoin d'un sol, en fin de compte. Il n'a pas besoin d'une pyramide pour fonctionner, ce truc-là. Et je sais pas si ça, c'est une barre, une jauge de temps. Mais il a consommé ma potion. Hein. Et du coup, j'ai jump boost. 2. Ouais. Ouf. Voilà, c'est le multi-jump, hein. Bien coucou à toi, Golfette. Golfette plutôt, Golfette. Ouais, c'est pas mal du coup. Et c'est sur 256 blocs, donc c'est pas mal, sauf qu'il faut... Si on veut aller dans une autre dimension, on est obligé de manger, quoi. Le mode des pets, c'est Inventory Pet. Ouh, il m'a donné un bim bap.
j'ai pas besoin de manger pour le coup. Et du coup, on voulait saturation, les potions de saturation. Avec un gâteau. Ok. On va regarder si on peut. Bring stand. On fait ça à côté. Hein. D'ailleurs, ça, je vais l'enlever. Et on va le mettre. Ce serait intéressant de le mettre au niveau de la tour de Edo. On va peut-être le mettre ailleurs. On va peut-être le cacher. Peut-être ici, tiens. Genre là, dans le sol. Ça peut être sympa d'avoir un rayon lumineux qui sort de cette statue-là. Ok, 256. On va prendre les potions. J'ai pas de saturation, non. Healing. J'ai des potions de healing. Donc 3. On va avoir besoin de Blaze Powder. Voilà, et on va avoir besoin de cake. Mais pas de cake. Est-ce qu'on peut faire un cake? Absolument. Je sais pas pourquoi on peut faire un cake, mais on peut faire un cake. On peut faire même une potion de hunger, pas mal. Par contre, on peut pas faire une potion de saturation niveau 2 ou quoi, donc c'est vraiment que celui-ci. Hein. Ok. Saturation. Saturation activée. J'ai pas le... Ah ça y est, le beacon il est arrivé. Ok, et du coup là on a tout le temps saturation. Oh, c'est magique. Du coup on a jamais faim. Oh, on a récupéré plein de seaux de lait. Il y a aussi tous les pets qu'on avait récupérés pendant un live et ça nous avait donné énormément de seaux de lait. Ah. Un Hardened Laser Legging. Très bien. Ça va finir là-dedans. Ok, on peut ranger ça. Donc la nourriture, finalement, on en a plus besoin quand on est dans la base, en théorie. Je vais voir si on peut changer la couleur du beacon. Genre si je prends du vert rouge juste pour tester. Non. C'est pas comme un beacon, tu peux pas changer sa couleur. Ok. Dommage. Non, si j'en mets deux, j'aurai pas saturation 2. C'est vraiment qu'une potion. Par contre, on peut mettre plusieurs effets de potion et ça, c'est terrible, ça. Genre si on met ça comme potion, qu'est-ce qu'on a d'autre comme potion qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre... on pourrait faire une blague aussi. Non-player, all. Monster, créature, ambiant, aqua, player. Dommage qu'on peut pas mettre de whitelist de player. On aurait pu mettre une whitelist et mettre des effets négatifs. Night Vision, non, je sais que Auré n'aime pas avoir Night Vision tout le temps. Magnétisme 2, je suis pas sûr que ça puisse rentrer dedans, mais on va regarder. Non, ça rentre pas dedans. Hein. On peut avoir de la régène tout le temps aussi. Speed 2, on l'a déjà, on peut avoir de la force. Jump Boost, forcément. On va mettre Jump Boost 2 en plus. Parce que c'est rigolo d'avoir Jump Boost 2. Ok, non, apparemment il y a une liste. Pour l'instant il est sur saturation. Ça se trouve il va peut-être consommer la potion au bout d'un moment, je sais pas. Bon, on va le laisser là, on verra. Il reste 5 secondes. Ah, bonsoir monsieur Aïe. Ouh, ça m'a complété tellement de quêtes ce truc là. Il m'a donné un huge Indlu, extra dimensional space. Genre si je te pose là. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? C'est bugué ou c'est... Ouais c'est bugué j'ai l'impression. Parce que c'est. Mais ça m'a débloqué des quêtes. T'as d'ailleurs Kill the Wizard. Hop, je récupère. Ah non, c'était juste des achievements, c'était pas des quêtes. Tiens, en parlant de quêtes, on a quelques quêtes à faire qu'on peut faire en terminant minuit en fin de compte. Je dois poser des blocs? Ah.
Bah non, je peux pas poser de blocs. À moins que je puisse les poser comme ça. C'est moche, hein. Marche pas. Poser les blocs là ? Non. Je sais pas du coup. Les blocs du mode ? C'est quel mode ça ? Nomadic Tent. Du coup, faut mettre des blocs de Nomadic. Wall. Si je te demande ça. Bah non, ça me les pose pas là où il faut en fait. Hein. Et c'est sûrement pas comme ça qu'il faut les mettre les blocs. Ouais, d'accord. J'aimerais les mettre là, mais je peux pas les mettre là en fait. Ça c'est le cosmétique. Effectivement, c'est le cosmétique. Mais ça veut dire que les blocs que je dois poser là, ça doit être les... ils sont plus chiants à faire. Je peux même pas les crafter, il n'y a pas de craft. Il n'y a pas de craft pour les blocs. Donc on peut pas les avoir. À moins qu'il y ait une autre méthode de les avoir que je connais pas. Craft le hammer. On fait celui-là, hein. On fait celui-là, le super. On va faire le super. Hop. Est-ce qu'il y a des quêtes pour ça d'ailleurs ? Pas l'impression, hein. Ok, j'ai le hammer. Oh ! D'accord. Ah ! Ah non ! Ok ! Oh! Ah! C'est sympa! Première page? Yep, absolument, ouais. Absolument. On va faire ces quêtes-là, du coup. Ok, quête terminée. Y a d'autres choses là-dedans que j'ai pas fait. Ouais, il y a le poisson, mais là, faut récupérer plein de poissons, quoi. Ça, c'est les poissons d'aquaculture. Il y en avait l'alchimie bag. Tiens, on peut peut-être le crafter, ce truc-là. Voilà, comme ça, ça nous fait une quête en plus. Récupère-le. On commence rustique. Non, on va pas commencer rustique parce que faudrait le faire avec les copains. Air confirmed, ok, j'ai eu de l'air, super. Mais du coup, c'est pas mal ça. En fin de compte, c'est une toute petite dimension. Mais du coup, on a des plus gros quoi. On a le méga. Enfin, on a méga indelu et on a celui-ci aussi. Ça n'a pas l'air d'être si compliqué à crafter en plus ces trucs-là. Est-ce que je peux le casser déjà ? Parce que ce serait bien de pouvoir l'enlever. On peut pas le casser. Avec le hammer. Check guide. Il
Move the tent. Tent, mallet, on the door to disconstruct your tent. Faut juste faire clic droit du coup. Ah ok, moi je faisais shift clic droit ou quoi que ce soit. Ok, c'était juste clic droit. Donc c'était bien avec le marteau. Hein. Du coup je le récupère. Et si je le repose... Non, si je le repose... Je peux pas le reposer. J'ai plus la place. Ah si, c'est bon. Et là je refais clic droit. Là-dessus, ok. Ah, c'est vraiment pas si compliqué que ça en fait. Oups. Qu'est-ce que j'ai eu? Pink weight belt. Ça peut être rigolo de regarder toutes les types de tentes qu'on a. On a cette tente là, on n'a pas besoin de faire les autres. Je pense pas qu'il y ait de gros changements à faire. On va quand même tenter celui-là déjà. Mais je pense que peu importe la couleur, en fin de compte, ce sera toujours la même chose. Hein. Je prends ça. Parce que là, du coup, on a un rouge, on a un jaune. Ok. Ouais, on a juste une couleur rouge ici. Ok, donc si je rentre dedans. Ah, il est plus petit celui-là. Ah oui, ah ok, j'avais pas lu les titres. Small, medium, large, huge, giant, mega. J'ai envie de voir le méga du coup. Ok, parce que là on a un huge. Si je refais de ça, on refait un stack par exemple. Ah là, on en a plein. On veut le giant. Alors le giant va nous demander de l'obsidienne cross beam. Pas trop compliqué à faire. On en fait deux. Tu reprends celui-là, tu le mets là. Voilà, on a le giant. Et si je veux le méga, il va me demander des diamond cross beam. Ça coûte un peu cher, mais allons-y. Ok, méga. En termes d'espace, ça prend la même place en fin de compte sur place ici. Par contre, à l'intérieur, je suppose que ça doit être gigantesque. Ouais, c'est beaucoup plus grand. Ok. On peut pas creuser plus bas. Hein. Ok. Très bien, donc le bleu, c'est ce qu'il y a de mieux. Testons les autres formes. On va tester les autres formes. Genre on a le yurt. Comment ça se fait le yurt? Merci Asgora pour avoir offert un sub à Moanos. Moanos, bienvenue. Le yurt. On va faire le yurt. Yurt. On va pas avoir assez de wool. String, on en a. Ok, au cas où on en aura besoin. On peut le refaire. Du coup, c'est ça qu'on a besoin. Je vais juste faire le minimum syndical. Je veux voir quelle tête ça a déjà. Ok, ça cette tête là. Hein. Et donc, vu que c'est petit à l'intérieur, ce sera comment? Ouais, c'est petit quoi. Oh, on peut sortir? J'ai l'impression qu'on peut pas sortir. Hein. Non, on peut pas sortir. Oui, je me doute que ça marche peu importe la couleur de la laine. Hein. C'est juste que là, je regarde la laine que j'ai. Donc, si on veut le tir au-dessus, il faut en refaire de ça. On retourne là-dessus. On veut 3. On va évidemment se faire que les tailles... Et voilà, j'ai fait une erreur. Très bien, c'est pas grave. Voilà. L'extra, c'est toujours la même chose. Ouais, du coup, ça, j'en ai plus. Hein. On va faire tout ça. Et wool, on va utiliser toute la laine qu'on a. Est-ce qu'on peut mélanger les laines? Oh putain, ça lag. On peut mélanger les laines. Consommons toutes nos laines, comme ça on sera tranquille.
Pourquoi le hashtag Harry Potter? On voit le bloc barrière sur Wyla. Comment ça on voit le bloc barrière sur Wyla? Ah, quand on était à l'intérieur, je l'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Pas trop de ressources parce que j'ai voulu jouer à Sky of Diamond et mon PC lag. Quand je joue, c'est presque injouable. Ragnamod de Reborn n'utilise pas beaucoup de ressources. Tu peux le lancer avec 3 gigas, c'est quand même mieux de le lancer avec 4. Mais je sais qu'il consomme pas beaucoup. Ok, on en a un petit peu beaucoup maintenant. On veut le vert. Fuck. 1, 2, 3. Fuck. Ok, 1, 2, 3 pour le jaune. 1, 2, 3 pour le violet. 1, 2, 3 pour le méga. Ok, si je te fais ça, il va nous falloir des choses en plus. Ouais, il nous faut ça maintenant. De toute façon, je suppose que ça va juste nous faire les grosses, gros espaces, hein, mais bon. Comme dit, au moins, on les aura. Je pense que j'ai les flèches, plus besoin. Il m'a rangé mon yurt. Mon yurt. Ok. Là, il faut l'opsy. Et enfin, il faut le diamant pour lui. Et le diamant, c'est un peu cher, hein. Ça devrait aller. On a du diamant, c'est pas le problème. Et 1 et 2, voilà. Clac. Clac. Ok, j'avais pas vu qu'il y avait du feu. Je suis un peu bigleux. Effectivement, barrière. Nomanique tente. Ok, je l'avais pas vu. Bah ouais, du coup on peut avoir un espace personnel. C'est vraiment chouette comme mode, hein. L'appel du mode permet d'upgrade la profondeur de la tente. Est-ce que tu peux creuser? Ah ouais. Oh. D'accord. Voilà. Alors du coup, comment ça marche maintenant? Non, marche pas comme ça. Dirt indestructible. Bon, je suppose que c'est à l'intérieur qu'il faut faire quelque chose. Clic gauche, clic droit, ça marche pas. Est-ce qu'il y a un truc spécifique à faire avec l'appel? À utiliser avec un craft, j'ai pas vu. Ah oui, oui, oui. Ok. Death upgrade 5 sur 5. Ah! Ok. Donc on peut. Bah là c'est 4 sur 5, 3 sur 5, 2 sur 5, 1 sur 5 quoi. Et du coup on peut creuser plus profondément. D'accord. Bédouin. Très bien. Ça je vais le ranger. Oh, c'est bien, on va crafter ça, on pourra le montrer pour la prochaine vidéo dorée. Il faut que je regarde ça. Encore une easy key. On veut le small Tipeee maintenant. Small Tipeee, ça devrait pas être trop compliqué à crafter. On va en crafter un stack directement. Small Tipeee. Du coup, on veut évidemment les upgrades, hein. On veut pas les petits tout de suite. Donc ça, il m'en refaut deux. Je crois que j'en avais déjà fait deux en plus, hein. Tipeee. Bon, il m'en reste deux. Pas besoin de leur craft. Non, c'est l'obsidienne. Ou non, je sais plus. Ok, et on va les poser dans le monde. Je sais pas où on va les poser, mais on va les poser. Ok,
Fais-moi voir un petit peu la taille du tipi. Oh, c'est joli, hein. Et on entre dedans. Ouh. C'est vachement haut, hein. Tiens, du coup, il y a un truc que je voulais tester aussi. Je mets de la sandstone, là. Pardon, je mets de la sandstone ici. Je sors. Ouais, la déco est pas mal, hein. Je casse. D'accord. Je repose, on va dire, là. Donc, pas du tout au même spot. Ok, c'est ma dimension portable, quoi. Ça, c'est encore mieux. En gros, j'arrive, paf, j'ai une dimension que je peux ranger dans ma poche. C'est bien. Tu fais un village avec totémique et tu mets ça. Ouais, en gros, franchement, ça peut vraiment être sympa de faire un truc comme ça. Hein. Pour ça que je vais essayer de crafter tout ce qu'il faut avec. Et ensuite, je montrerai ça à Auré et je leur dirai, ouais, faut faire quelque chose avec parce que c'est intéressant. Ok, il faut encore plus de laine. Aïe, aïe, aïe. Deux stacks, ça devrait être suffisant. Ah, quoique 32, c'est pas beaucoup. Hein. Ok, là il nous faut les gold. Non, au final, là il va nous en falloir 4, 5, 6 en plus. Ok, faisons 6 en plus. Voilà. On va avoir besoin des trucs en or là. Ah, j'ai plus de gold block. Ok, on regarde les 4 ici. On fait celui-là. Très bien. Il va nous refalloir 4 d'opsy. Très bien, et enfin le diamant, il va nous en falloir 4 aussi. Voilà. Ok. Donc du coup, celui-ci ressemble à quoi? Je peux pas le poser. Si je peux pas le poser, ça veut dire qu'il va être fat, lui. On va se mettre un peu plus loin, une zone où c'est assez plat. Genre ici. Oh, il était pas si fat que ça. Oh, c'est joli, franchement, les patterns qu'il y a. Ça change. Le principe est le même. Chaque machine ou tente est assignée à certaines coordonnées dans la dimension du mode. Et quand tu rentres dedans, t'es juste TP dans ces dimensions. Yes. Donc ouais, ça aussi, c'est plutôt bien fait. Hein. Petite maison sympathique. Le meuble le plus gourmand que je connaisse. Ah, je t'avoue, je sais pas trop. Tomcraft est pas mal gourmand. Oh, oh. Celui-là il coûte cher. Hein. Celui-là il coûte cher. Oui, oui, oui. Oui, 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 il coûte cher celui-là. Ouais. Ça ressemble à quoi du coup? Il a l'air d'être stylé, mais il a l'air de... Il coûte cher. Il coûte cher surtout en laine. Voilà. Quatre stacks. Un stack. Et ok, on sélectionne tout. Boum. Medium. Large. Du coup, si je te mets ça là-haut, c'est bon. Ok, méga. Donc là, on a le plus gros. Hein. Bah alors, tu te poses plus. Ah, ça y est. En taille, il n'a pas changé. Et à l'intérieur, c'est comment? Ouh. Donc voilà.
On a pu voir un petit peu toutes les structures. On va les poser les structures. On va les poser. Je sais pas s'il avait changé le sol parce que là c'est que de la stone. Je sais pas s'il aurait fait de la déco derrière ici. Par où on pourrait les poser ces trucs là? Bon, à côté du dragon de glace, c'est pas une très bonne idée en vrai. On va les mettre par ici, je pense. On les laissera là, puis on les laissera découvrir ce que c'est. Oh, il pleut. Vous m'enlevez ces feuillages là? Ah non, vous m'enlevez ça là. Voilà. Très bien. Donc on va mettre celui-là là. Coup de marteau. On va mettre celui-là ici, si on peut. Là, voilà. Très bien. Ça dépasse un peu quand même. Hein. Faudra qu'on fasse quelque chose. Tiens, d'ailleurs, on peut rentrer à l'intérieur. Oui. On va mettre ça là. Putain, faut vraiment beaucoup d'espace en fait pour ces trucs-là. Hein. Je sais pas si c'est les herbes. Ouais, c'est peut-être les herbes qui les dérangent. On va creuser un peu ici hein, pour que ça passe, parce que sinon ça passera jamais. Ok. Et enfin, on a un petit dernier. Le petit dernier, on va essayer de le mettre par là-bas, tiens. Voilà, juste à côté de celui-là. Très bien. Ça vient qu'on change la stone en dirt quand même. Hein. Par acquis de conscience. Please, enlève-moi tout ça. Ça aussi. Je voulais pas de la terracotta, je voulais de la dirt. Je laisserai Auré et Edo choisir de comment on pourra faire un truc joli avec ça, parce que c'est eux les pros de du build. Moi je suis pas très très bon. Donc je les laisserai décider de savoir comment on fait ça. Par contre au fond de la stone, je suis pas très fan. J'aime bien le sable au fond de l'eau moi. Pas de la sandstone. Du sable, sable. Ah, y a pas de modo. Pas si je suis un pro des modes, disons juste que je les connais bien les modes. Voilà, change-moi tout ça, voilà. On les entend les dragons derrière. Pour les petits rigolos qui se sont amusés à noter le numéro de téléphone qui a été noté sur le chat, si vous essayez d'appeler ce numéro de téléphone, vous allez avoir de gros problèmes. Donc je vous invite à pas le faire. Il est minuit dans 2 minutes. Ouais, dans 2 minutes, on va s'arrêter, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Ok, on reprend un dernier bout de terre là. On veut changer la stone qui traîne là. Voilà. Et le sable ici. Le gravier là. La stone là. Voilà. C'est quand même plus joli. Enfin, pour moi, je trouve ça plus joli. Enfin, les autres, je sais pas. Par contre, tes trous de creeper. Bon.
Je pense pas, non. C'est vrai que j'ai pas pensé à lui envoyer un message. Mais j'ai pas une nouvelle non plus de son côté, donc... Et pour être franc, j'ai complètement oublié. Parce que de base, c'était pas prévu que je stream aujourd'hui. Normalement, le vendredi, c'est le jour où je stream pas. Mais vu qu'on a décalé... parce que Edo devait aller à la Medinazia, avant que la Medinazia soit annulée. Normalement, on stream le samedi. Voilà. Très bien. Un autre trou de creeper. Ah, oh, c'est terrible. High Life Terraria maintenant. Bon, je vais peut-être le rejoindre alors. Je vais peut-être le rejoindre si Live Terraria. Donc du coup, oui. Vous pouvez me retrouver après chez Miscellany. Voilà, voilà. Du coup, vu que j'avais pas de nouvelles, je me suis dit qu'il allait pas streamer, mais bon, si tu me dis qu'il stream, c'est nickel. Ok, donc on va regarder un petit peu ce qu'on peut avoir là-dedans. On a récupéré un Mossy Smooth Between Stone Wall de Between Lands. C'est joli, c'est sympa, ça sert à rien. On va le ranger. Et les minuit passé, donc on va s'arrêter là-dessus. Regarde ta map dans la dimension de la tente. Bon, vite fait, je regarde avant de couper, hein. Ah oui, ça fait toutes les tentes. Ça me rappelle... comment il s'appelle ce mode? Compact Machine. Ben voilà, on aura de quoi regarder pour le prochain épisode de Horé, donc c'est très bien. Du coup, nous on se laisse là. Donc merci d'avoir regardé le stream. Merci beaucoup à tout le support que vous avez donné, en tout cas ce soir sur le stream, c'était assez incroyable. Moi je vous donne rendez-vous demain pour du Ragnamode 2. Je vous donne rendez-vous également tout de suite chez Miscellany pour du Terraria. Si vous voulez me voir, vous me verrez pas forcément jouer, mais je serai avec lui en fin de compte sur Terraria. Et sinon, bah, pour la suite, ce sera normalement mercredi prochain pour ce mode pack. Sur ce, porte-vous bien, une bonne soirée et à bientôt. Bye.